Roi. Il est 11h sur les antennes de Kiamdis Télévision, émettant depuis le quartier Konengi de Yaoundé. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à ce rendez-vous dominical sur les antennes de la télévision des 10 régions du Cameroun. L'actualité a été abondante tout au long de cette semaine qui s'achève. Au cours de cette tranche d'antenne ce soir, nous parlerons de la décision du gouvernement de la République de voir un peu plus clair dans la gestion du secteur des transports relativement aux accidents de la circulation survenus il y a quelques jours dans notre pays avec un chiffre effroyable. 40 morts sur nos principaux axes routiers. Le ministre décide. Nous reviendrons sur ces entrefaits au cours de cette tranche d'antenne ce dimanche. On parlera également ce jour de ce grand homme sur le plan politique qui s'en est allé. Il occupait une fonction assez importante au sein de son mouvement Agir qu'il avait mis sur pied, entraînant les Camerounais dans des revendications ordinaires en vue d'une gestion parcimonieuse de la République. Mais à côté de cette fonction, il a été très proche du professeur Maurice Kamto, président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, pour l'occasion qui lui a confié la gestion d'une grande opération relative à la gestion également du Covid-19 dans notre pays, le Cameroun, l'opération survie. Que laisse-t-il à la postérité? Nous essaierons d'interroger ce parcours et le sport football marquera la fin de ces différentes thématiques. Nous parlerons de la Fédération camerounaise de football avec ses dernières décisions en interne. Le secrétaire général limogé remplacé par le responsable de la communication et sans oublier la décision du TAS qui met pratiquement hors jeu la Ligue de football professionnel du Cameroun, elle, qui a communiqué à travers le président Pierre Senongueux, disant qu'il portera ou alors il reviendra sur cette décision ailleurs pour que les éléments soient probants dans ces différentes accusations, entre guillemets. Mesdames, Messieurs, merci d'honorer le rendez-vous du dimanche. Dans une poignée de secondes, je vous retrouve avec tous nos 4 panélistes qui ont répondu présents ce dimanche. Merci à vous d'avoir choisi Kiamdis TV, la chaîne des 10 régions du Cameroun, et merci d'honorer ce rendez-vous du dimanche. Nous parlons de l'actualité dans notre pays. En tout cas, l'introduction, nous avons eu les sujets phares qui vont marquer le plat de résistance de cet échange. Pour nos différents invités, notamment lui, il nous vient tout droit de la capitale économique du Cameroun. Il est le président du Manidem. C'est un grand homme politique qu'on ne présente plus sur la scène. Bonjour Anissé Kané et bienvenue. Bonjour, merci de l'invitation. Je salue également les millions de téléspectateurs de Kiamdis. Voilà, merci. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce dimanche. C'est la première fois dans nos studios? Oui, c'est la première fois. Vous avez quand même marqué un changement particulier. Il y a une évolue avec les chaînes de télévision qui se respectent, avec des studios ultra moderne. Hein. Merci d'être avec nous. Non, le paysage médiatique s'enrichit et tous les jours, tant mieux pour la démocratie au Cameroun. Et avec vous, on parle de cette actualité cette semaine. Rebecca Enonchon a été gardée à vue pendant pratiquement 72 heures dans la ville de Douala. Le Manidem a réagi face à cette actualité et vous indexez beaucoup plus les puissances occidentales qui s'intéressent à la justice camerounaise. Vous avez dans cette perspective rendu public une communication au cours de laquelle nous souhaiterons que vous reveniez pour en parler. Oui, elle ne s'intéresse pas, elle s'immixe dans les affaires du pays. Vous savez, les États-Unis, après avoir tirer des milliards d'hectolitres de pétrole en Afghanistan, ont abandonné les Afghans à leur triste sort. Je me demande s'il n'y a pas de défense des droits de l'homme en Afghanistan. Les détentions arbitraires dont sont victimes les citoyens ou non-citoyens américains, par exemple à Guantanamo, ça n'intéresse pas Tibor Nagé. Parlant de la France,
les Noirs et les Arabes sont gardés à vue dans des conditions exécrables, tabassés, exécutés en France. Que je sache, l'ambassadeur du Cameroun en France ne s'est jamais immiscé dans les affaires judiciaires en France. Qu'est-ce qui fait en sorte que ces diplomates d'époque passée, néocoloniale et coloniale, Est-ce que ce n'est pas la qualité de la personne interpellée qui pose problème, parce que elle est quand même parmi les femmes qui sont économiquement puissantes? J'y arrive. Ben alors, d'abord, pour dire que c'est des ambassadeurs de notre âge. Deuxièmement, vous parlez de la qualité. Elle est française. Première qualité. Deuxième qualité, dit qu'elle est entrepreneur. Cela veut-il dire que lorsqu'on interpelle un Camerounais quelconque, qu'on le garde à vue? Parce qu'il y a des gardes à vue non légales, tout le monde le sait. Et je sais qu'il y a beaucoup d'outrages à Maziska, des Camerounais qui sont retrouvés dans les prisons. Alors, eux n'ont pas droit à la promptitude rapide, violente, agressive, provocatrice de l'ambassadeur de France au Cameroun. Voilà qui pose problème. Je crois que la France commence à regretter, depuis qu'il y a un mouvement de contestation sérieuse contre la politique française en Afrique, elle n'arrive pas à faire le deuil de l'époque coloniale et néocoloniale. Bon, quant aux Américains, ben, ils n'ont de leçon. Mais au-delà des revendications, des observations formulées par ces pays de l'Occident, lequel la France vous avez évoqué, même les États-Unis d'Amérique à travers Tibor Nagy, il n'y a que sur le plan local, plusieurs organisations se sont mobilisées, des femmes, hein, parmi lesquelles oui, Kawala, les perroquets, était au devant les de la perroquets, scène pour sa libération. Oui, les perroquets, il y a beaucoup de perroquets camerounais. Justement, je reviens sur votre document. Oui, oui, il y a les perroquets. Vous savez, on a dit les porte-voix, les baffes de l'Occident, il y en a plein. Vous savez, on ne peut pas agresser un pays, une nation, sans avoir des affidés dans cette nation, l'ennemi de l'intérieur. Ils s'appuient, les autres s'appuient sur ces perroquets-là, ces porteurs de casier, qui leur donnent la possibilité de s'attaquer à la politique judiciaire de notre pays. Merci. Elle n'est pas la meilleure, loin s'en faut. Et nous nous battons, bien avant ces perroquets, pour que, ça, que la justice comme nous s'améliore. Et elle s'améliore. Vous savez, maintenant, vous pouvez aller dans les commissariats, ce n'est plus la brutalité d'il y a 10, 15, 20, 30 ans. Ça s'améliore. On n'a pas besoin de Tibor Nagy, ni de Desperado français. Au Cameroun pour changer notre pays. Et je reviens sur la déclaration du Manidem pour sortir avec vous sur cette préoccupation, signée du secrétaire en charge des relations avec l'extérieur. Le système judiciaire est à parfaire et nous nous battons pour qu'il s'améliore et qu'il s'améliore, mais nous ne devons jamais être les porteurs d'eau, entre guillemets, de l'Occident, toujours prêts à donner des leçons et sans au préalable balayer devant sa propre porte. C'est une partie, une sortie. Elle résume, tout à fait la déclaration du Manidem. Merci d'avoir choisi de faire le déplacement de Douala pour Yaoundé relativement à la participation à cette émission. Mais d'entrée de jeu avec les trois autres panélistes et avec vous aussi, hein, nous parlerons de ces autres sujets qui auront meublé l'actualité cette semaine avant le plat de résistance. Nous évoquerons le coronavirus au Cameroun. Cette semaine également, on parle de cette lutte avec l'interpellation des pouvoirs publics par le ministre camerounais en charge de la santé publique, le Covid-19. L'interrogation va porter sur l'immunité collective. Où en est-on? Les Camerounais répondent-ils positivement à cette vaccination-là? La question forcément aura un élément de réponse. Et puis en deuxième, nous parlerons du parti politique. En tout cas, les partis politiques cette semaine s'engagent dans un renouvellement des organes de base derrière cette volonté de voir les choses changer, de voir de nouvelles personnes à la tête de ces formation politique. Il y a des revendications qui sont formulées. D'aucuns vont jusqu'à penser que la circulaire pour ce qui est le chef de l'État du Cameroun pour le RDPC n'est pas respectée dans son entièreté.
Affrontement intercommunautaire dans la région de l'extrême nord du Cameroun entre Arabes Choua et Mousgoum. Le gouvernement a également réagi. Des réunions de concertation se tiennent pour l'occasion. Ce n'est pas la première fois que ces populations s'affrontent. Pour l'instant, on parle d'un peu plus de 15 morts par là et plus d'une cinquantaine de blessés graves admis dans les centres de formation hospitaliers de la place. Et on sortira sur cette de mise en bouche avec la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Le Cameroun abrite l'événement le 18 août prochain. On souligne que le président du Cameroun, son Excellence Paul Biya, est président en exercice de la CEMAC, ce qui forcément nous permet de croire que le chef de l'État sera de retour dans les prochaines heures. Voilà, je vous accueille Abdoulaye Ado. Il est membre de l'ANDP également, très ancré dans les milieux du sport au Cameroun. Parmi les quatre questions d'entrée, vous avez le choix sur la réaction autour de deux questions. Bonjour et bienvenue. Et merci Serge, bonjour à vous, bonjour à tous nos copanélistes, vos copanélistes, et je salue ceux qui nous regardent partout où ils sont. C'est vrai également pour moi aussi, c'est la première fois dans ce studio et je dis vraiment que votre boss a fait du bon boulot. Nous encourageons vraiment tous ces promoteurs Merci. À pouvoir atteindre ce niveau parce que le Cameroun est un pays démocratique et il faudrait qu'il y ait une pluralité d'opinions. Et on peut les avoir dans les médias. Et ajouter à cela, c'est juste une petite virgule, hein, que nous faisons la télévision autrement. On entend être le canal de construction du Cameroun pour intervenir dans tous les secteurs et aider les pouvoirs publics à trouver de vraies réponses aux questionnements des Camerounais. C'est pour cela que CAMDIS Télévision s'inscrit parmi les meilleurs au Cameroun qui montent donc, et qui voudraient également être la chaîne des 10 régions du Cameroun. Voilà, c'était la petite parenthèse. Merci. Cette précision faite, je voulais quand même parler de... Ce n'est pas forcément parce que je suis originaire du Grand Nord, mais c'est parce que c'est un problème récurrent, les affrontements entre Arabes Choua, cette fois-ci Mousgoum. Il y avait également eu affrontement entre Arabes Choua et Kotoko. Tout le monde le sait. Il y a même eu des affrontements entre Peul et d'autres communautés également. Il faut dire que ce qui s'est passé dernièrement à l'extrême nord, au niveau de Kousséri, c'est un problème entre pêcheurs et éleveurs. Les pêcheurs, parce que il y a une technique de pêche là-bas où on construit des digues. Ça permet de retenir l'eau et de pouvoir utiliser certains produits pour venir simplement ramasser les poissons. Ceci a été fait et comme au nord, malheureusement, les points d'eau, c'est là où les gens essayent d'utiliser pour leurs activités au quotidien et même pour boire, parce qu'il ne faut pas être hypocrite. L'eau du Mayo, c'est l'eau potable là-bas. J'espère que le gouvernement pourra pouvoir changer cela pour qu'au moins l'eau potable, on la trouve ailleurs. À votre préoccupation, je voudrais ajouter que c'est quand même la région la plus peuplée du Cameroun, l'extrême nord. On sait que c'est un problème de terre arable qui s'est posé. Déjà que l'eau, comme vous le dites bien, ne suffit pas pour les populations locales. Est-ce qu'il n'y a pas une grosse campagne de sensibilisation? Est-ce qu'il n'y a pas un travail de fond en termes d'acceptation de l'autre au moment où le Cameroun accentue la vie tout autour du vivre ensemble? Oui, normalement, c'est ça, mais vous savez que c'est des vieux conflits, hein? C'est des conflits d'une soixantaine d'années. Donc, on ne peut pas les charger facilement comme ça. Donc, les bœufs des éleveurs Arabes Choua, parce que les Mousgouns sont des pêcheurs, les Arabes Choua sont des éleveurs, les bœufs sont donc venus s'enfoncer et se noyer dans la boue que les retenues d'eau ont créée. Ça a donc déclenché un conflit entre ces pêcheurs Mousgoum et ces éleveurs Arabes Choua. Et on a donc sorti toutes les armes, les flèches empoisonnées, les couteaux. Bref, il y a eu une violence terrible. Et il y a en termes de morts, je crois, une douzaine. Mais il y a beaucoup de blessés. Et je crois que le gouverneur de la région de l'extrême nord est descendu là-bas hier ou avant-hier pour et avec toutes les élites qui comptent pour pouvoir faire asseoir les populations
et leur demander de ne plus continuer ce genre de choses. Mais je crois qu'il faudrait continuer, il faudrait persister pour qu'il y ait la paix. Parce que dans les cultures des populations là-bas chez nous, généralement, c'est ce qu'on appelle œil pour œil, dent pour dent. Vous tuez chez moi, je dois tuer chez vous. Donc, vraiment, c'est comme ça que les gens fonctionnent. Donc, de mon point de vue, il faudrait que l'ensemble de la République, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait plusieurs pôles de tension, ce genre de conflit peut entraîner la guerre civile, parce que c'est des populations qui s'affrontent les unes contre les autres. Donc, je me dis que l'État, les élites, les populations elles-mêmes doivent prendre conscience de ce qui est en train d'arriver. Merci Abdoulaye Ado. Je souligne que vous faites partie du parti politique la NDP. Je suis secrétaire national à la communication et membre du bureau exécutif. Merci pour cet honneur. Il est secrétaire général adjoint du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Il nous a également retrouvé dans ce studio. Roger Justin Noah, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, bonjour à mes copanalistes. Je voudrais d'abord vous remercier pour cette autre invitation sur votre plateau. Permettez-moi de saluer avec beaucoup de tristesse mes camarades qui sont retenus otages dans les prisons de M. Paul Biya, juste pour leur opinion politique. Parce que, contrairement à ce qu'a dit mon compatriote Abdoulaye Ado, nous sommes dans un pays dictatorial où on ne veut pas entendre des voix dissonantes de celles du pouvoir. La preuve que vous le constatez, depuis un certain temps, les sympathisants et les membres de l'UNDP. Est-ce qu'il n'y a pas eu un apaisement dans cette communauté communautaire? Le militant et sympathisant du RDPC marche un peu partout dans la République et on prétend qu'il ne peut pas être contaminé par le coronavirus. Il ne peut pas troubler, n'est-ce pas, l'ordre public. Je voudrais vous rappeler que notre marche, l'unique que nous avons déclarée le 16 juillet dernier, a été interdite sous prétexte des risques de troubles à l'ordre public et puis de risques de propagation du coronavirus. Et c'est pourquoi je suis très en colère lorsqu'on veut faire croire que nous sommes dans un pays démocratique et comme l'a voulu encore le dire le secrétaire à la communication dernièrement dans un message où il réagissait, n'est-ce pas, à la sortie de l'Américain Thibault Nadier. Merci d'être avec nous. On a développé les sujets d'entrée, pratiquement quatre. Lequel souhaiterez-vous sur lequel réagir? Écoutez, mais avant d'y arriver, je voudrais d'abord dire que il ne fallait pas qu'on essaie de régler les comptes sur des événements qui se produisent dans notre pays. Je pense que ce qui s'est passé à Douala avec notre compatriote Enonchon est tout simplement le reflet de notre justice qui est injuste, qui ne respecte pas elle-même les lois des règlements de la République. Dans ce sens que, de plus en plus, depuis que la réforme, que ce soit du code pénal, que vous saviez, ce code pénal a institué ce qu'on appelle les peines alternatives. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore mis en œuvre ces peines alternatives. Deuxième chose, on a institué le code de procédure pénale. Ce code de procédure pénale-là ne sert presque à rien, puisque, au sens de ce code-là, la liberté est ce qui doit être régulier. C'est-à-dire qu'elle est la règle et la détention de l'exception. Mais on a plutôt fait de la liberté l'exception et la détention la règle. Et ça, c'est inadmissible et ça pose un problème. Quel est le problème? Chaque fois, on vous dit, M. Paul Biya est légaliste. Légaliste veut dire que vous respectez les lois et règlements de votre pays. Or, vous le savez si bien, le gouvernement ne respecte pas ses propres lois et règlements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que M. Paul Biya est illégaliste. Nous vous reviendrons peut-être pour la suite. C'est vrai que nous avons... Maintenant, quand j'ai terminé... Nous autres, j'ai terminé sur ce point. Oh, oui.
L'autre question sur laquelle je veux réagir, c'est les affrontements entre Mousgoum et Arab Echoua dans le Logone et Chari. Nous avions réagi à cette actualité-là et nous voulions porter sur la place publique les réalités du moment. Ce conflit, M. Abdoul a dit, n'est pas né aujourd'hui. Mais nous nous posons la question de savoir pourquoi est-ce que le gouvernement qui est censé garantir la sécurité de ses citoyens ne trouve pas des solutions, connaissant réellement le problème. Parce qu'au moment où ce conflit se passait, c'est dans le Logone Béni, c'est à 25 km de Kousseri. Il y a, vous le savez bien, un contingent militaire là-bas. Pourquoi est-ce que ni les gendarmes, ni les militaires, tout ça, personne n'a pu réagir? Mais pendant ce temps, le RDPC menait tranquillement ses activités de roulement de ce serait tenté de vous demander, non, justement. C'est un problème parce que. Que propose le MRC? C'est un problème. Que propose le MRC? Laissez-moi terminer, ne m'étouffez pas. C'est un problème. On va pas rester dans la revendication. C'est un problème. C'est un problème. On aurait pu arrêter, prendre les dispositions rapides pour qu'on n'ait pas autant de morts qu'aujourd'hui. Vous parlez de 12 morts. Nos informations nous disent que c'est 30 morts. Même si c'était un seul mort, on aurait pu réagir rapidement pour qu'il n'y ait pas autant de morts. Qui dit qu'il y a eu 30 morts? Ouais, même si vous avez 12 morts, okay. On aurait pu éviter ces 12 morts. Et que propose le MRC donc, pour qu'il n'y ait plus d'affrontements? Oui, nous avons dit, si vous avez lu le communiqué signé par le Plan National, nous avons dit qu'il faut revoir véritablement la cause du problème, qui est la répartition de ressources naturelles. Et c'est ça le problème. Nous sommes dans un pays où on a les mêmes problèmes chaque jour. On propose des solutions, mais comme le régime pense qu'ils sont les plus intelligents, ils n'en tiennent jamais compte. Merci, Justin Noir. Ils n'en tiennent jamais compte. Vous aurez encore la parole, hein, rassurez-vous. Hein. Vous n'allez pas la prendre, à n'en plus finir. Nous sommes ensemble. Non, mais j'exprime la colère. Et la colère des Camerounais. Chaque fois, on perd des compatriotes à l'Est Nord, dans le Donoso. On ne peut pas continuer comme ça. Je vous reviens, rassurez-vous. Et nous accueillons le quatrième invité, tout naturellement avant la revue de presse, qui est annoncé du côté de la régie. Simon Metsingé, il est militant, cadre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonjour Simon, et bien. Bonjour Serge, bonjour au panel, bonjour également à un nombre de téléspectateurs. Merci une fois de plus. Forcément, on entre par le renouvellement des organes de base. C'est peut-être aussi la première fois dans ce studio de Camdis. Non, justement, c'est moi qui ai inauguré ce studio. Mais je suis fier de voir ce qu'il a... Il a pris de la hauteur, évidemment. Donc, félicitations au PDG. Je reviendrai sur le renouvellement des organes de base, mais je voudrais réagir sur un sujet qui est comme un résumé des autres, la question de la justice au Cameroun. Voyez-vous, la justice est indépendante au Cameroun et doit se vouloir indépendante. Mais certains hommes politiques ont tenté de la politiser au point même de créditer les propos insultants même des organisations internationales à l'endroit de cette justice qui est indépendante. Je veux dire ceci, c'est la justice qui civilise une société. Ce qui se passe aujourd'hui du côté de Kousseri est né de cela, parce que des gens, ils ont été outrés les uns des autres, ils auraient pu saisir la justice. Mais comme il y a un discours fanatique qui se dit aujourd'hui, alors les gens trouvent que la justice ne sert à rien et qu'il faut en venir aux mains. Et justement, cela peut se comprendre, parce que quand vous suivez le secrétaire adjoint du MRC, il vous dit que, d'abord, il vient pour dire qu'on n'aurait pas dû faire ceci, la justice n'aurait pas dû faire ainsi de suite. Je rappelle que le magistrat rend la justice au nom du peuple. Si le magistrat a jugé qu'une compatriote devrait être interpellé et gardé à lui pendant 72 heures. Je crois que c'est le droit, c'est notre code pénal qui le dit. On trouve en réalité qu'il faille venir discuter de ça et dire que en fait l'ambassadeur avait raison et que c'est la justice qui avait tort, c'est le magistrat qui avait tort. Même si on ne peut pas appliquer les dispositions du code pénal. Et voilà les conséquences. On n'a pas que celle-là. On a aujourd'hui 12 morts parce qu'on veut faire un état de non-droit. Quelques jours, vous avez vu un policier qui a failli perdre sa vie parce qu'il voulait réguler la situation. Parce qu'on a fait comprendre, certains hommes politiques font comprendre aux gens que, en fait, le droit, j'ai entendu quelqu'un dire, un imminent, je dis, nécessité fait loi. C'est que vous comprenez jusqu'à quel niveau on veut désacraliser nos institutions. Et ça, il faut que nous, qui sommes des hommes politiques, qui sommes censés éduquer
la société, au même titre que les médias et même l'éducation conventionnelle, nous avons le devoir d'avoir de la retenue, parce qu'il faut parler de certains aspects assez délicats. C'est pour moi aujourd'hui, et pour le RDPC, de regretter cela, parce que plusieurs de nos militants sont morts de ce côté. Vous savez que le RDPC est le parti le mieux implanté, et donc, certainement, beaucoup de nos militants sont morts, et c'est une grosse perte. J'invite les autorités d'aller à davantage, parce que c'est aussi, ça peut être lié au fait que l'administration est un peu plus éloignée de cela. Parce qu'on note qu'il aurait pu avoir, s'il y avait une brigade à côté, je crois que cela ne se serait pas produit entre, c'est-à-dire quand quelque chose se passe. D'autant plus que le gouverneur de la région de l'extrême nord du Cameroun, Midiawa Bakari, indique que le fait, en tout cas c'est parti de canal, qu'on aurait pu régler entre deux personnes afin d'éviter cet embrasement qui a mis à contribution plusieurs jeunes de cette localité et profitant de l'occasion pour détruire des cases d'habitation, une centaine par là, sans oublier le pâturage et puis les bêtes qui ont été tuées pour cette occasion. C'était vraiment pénible. Maintenant, réagissant sur la deuxième thématique, nous transmettons nos condoléances à toutes ces personnes ou à toutes ces familles qui ont été endeuillées. Pour revenir justement aux opérations de renouvellement des organes de base, je crois que ça se passe plutôt bien. Nous avons 2 mois pour actualiser nos organes de base de la cellule jusqu'à la section. Je rappelle que c'est une élection vraiment courue et je crois que vous-même, vous essayez de, vous qui couvrez les événements et autres, vous voyez qu'il y a de l'effervescence. Je te rappelle que c'est plus de 4 millions de personnes qui sont impliquées dans ces opérations-là. Donc, évidemment, contrairement à ce que les uns et les autres veulent faire. Vous nous rassurez qu'il n'y aura pas d'investiture. Hein. C'est le consensus qui prime sur toi. Des fois, on passe à l'élection. Ça a toujours été cela. C'est-à-dire que s'il n'y a pas consensus, alors le corps électoral est convoqué et évidemment, on passe aux élections. Simon Metsengue du RDPC, avant de prendre la revue de presse, le président Ekanani aurait souhaité en quelques secondes réagir. Je voudrais dire que, en tout état de cause, c'est le gouvernement qui est responsable de ce qui se passe à l'extrême nord. C'est guerre civile parce qu'il s'agit de ça. N'ont pas commencé avec le régime depuis Ayo a beaucoup, durant son règne, eu des problèmes avec. Ces affrontements là, non. Le problème, c'est le développement. C'est l'aménagement de l'espace vital des populations. Notre compagnie Sado a dit que c'est un problème d'eau. L'eau, c'est quoi? C'est l'aménagement du territoire. Tout simplement. C'est depuis 60 ans. Dans le bastion. Ils appellent le bastion. Bastion. Comment ils s'occupent des bastions? Depuis 60 ans. On aurait pu aménager l'espace vital de ces populations de manière qu'il n'y ait pas de problème de points d'eau, de drainage, d'espace, etc. C'est ça que toutes les guerres ont une origine socio-économique. Toutes les guerres, même les grandes guerres mondiales. Donc, c'est un problème de développement. Deuxièmement, ce que je voulais dire par rapport à notre ami du RDPC, le principe de la gouvernance, c'est l'anticipation. Bon, c'est vrai que le gouverneur était peut-être en train d'accompagner le renouvellement des organes de base. Mais normalement, il y a la police, la gendarmerie, maillée dans le territoire, les renseignements généraux, la police. Ce sont des organismes ou des institutions qui préviennent, qui anticipent sur les événements. Le renseignement, c'est sur le MSC. À tous les coups, même les chefs traditionnels qui sont les officiels de l'administration, on est surpris que, à tous les coups, ils sont surpris. Un truc qui est récurrent depuis 60 ans, ils sont surpris que comment se fait-il qu'il y ait la violence. Mais les problèmes socio-économiques, qui sont des problèmes vitaux, amènent à la violence. Quand on doit manger, quand on doit sauvegarder son espace vital, forcément, on est violent. Donc, bon. Finissez rapidement vos demandes d'organes de base pour vous occuper du pays. Merci, cher panéliste. Malheureusement, il faut bien qu'on rattrape le temps. On reviendra à vous. Hein. Pour l'instant, nous prenons la première articulation de cette émission ce dimanche sur CAMDIS TV, place à la revue de presse. Les contenus des journaux parus cette semaine, c'est une signature de Trésor Bonnet. Thank you.
La presse n'a pas loupé les actions concertées en vue de stopper la saignée sur nos routes. En début de semaine, Mutation a capté une énième manœuvre du gouvernement de la République visant à remettre les conducteurs sur le droit chemin. Pour commencer, des sanctions sont tombées contre les responsables des hécatombes routiers de la semaine dernière, suspension des compagnies Solidarité Plus et Avenir de la KDI, retrait des permis de conduire d'une dizaine de chauffeurs irresponsables par le ministère des Transports. Pour anticiper et prévenir d'éventuels accidents, le ministère des Transports a également donné de nouvelles directives aux responsables d'agences de transport. Jean-Enès Massé-Nangalé-Bibé a présidé une concertation sur fond de rappel à l'ordre, respect scrupuleux des dispositions de mise, contrôle méticuleux des conditions de transport des personnes et des biens sur nos routes. De son côté, le ministère de l'administration territoriale demande au gouverneur d'être sans pitié contre les mauvais chauffeurs, ceux-là qui prennent la route étant ivres, fatigués, au téléphone ou en somnolant, ils devront aussi être sans pitié contre les responsables d'agences de transport en commun pour ce qui est du respect de l'état des véhicules. Parce que de son côté, le gouvernement de la République fait des efforts remarquables pour améliorer le réseau routier. Le quotidien a d'ailleurs salué le chèque et la couche de bitume du chef de l'État pour le développement des villes inclusives et résilientes. Des routes sortent de terre tous les mois au Cameroun, ce sera encore le cas dans quelques semaines avec l'autoroute Simalène-Yaoundé, à en croire la ministre de l'Habitat et du Développement Urbain. Mais déjà, les populations de Nkolmissan et Yomaban à Yaoundé disent merci au chef de l'État. La promesse du président Paul Biya de révolutionner la voirie de ces deux quartiers se concrétise. L'indemnisation des habitants est lancée depuis quelques jours maintenant. Début effectif des travaux dans les semaines à venir. Merci pour cette revue de presse, une signature des Trésors Mbounet de la rédaction centrale, ici même à Yaoundé de Kamdis TV. Après cette revue de presse, nous rentrons dans les thématiques qui constituent le plat de résistance de cette émission ce dimanche. Et la première porte sur le transport au Cameroun. Le ministre Jean-Ernest Massé-Nangalé-Bibéhé, cette semaine, s'est exprimé. Il était devant la presse dans le cadre d'une conférence. Il a également rencontré les responsables des agences de voyage. Au cours de ces échanges, il a déploré les situations catastrophiques rencontrées sur nos axes routiers avec à l'index naturellement ces engins qui sont de véritables mouroirs qui circulent sur nos axes routiers qui ont causé 40 morts pour le dernier bilan dans notre pays, le Cameroun. Mais des mesures urgentes ont été prises, parmi lesquelles la prolongation des heures de voyage pour le cas de Bafoussam. Le ministre demande au départ des Yaoundé de respecter 6 heures de voyage, sans oublier d'autres éléments parmi lesquels rendre disponibles les permis de conduire les titulaires de ces différents bus de transport. Avec vous, Ekan Anissé, je reviens sur cette décision, cette volonté des pouvoirs publics du Cameroun de voir moins des accidents de la circulation sur nos axes routiers à quelques semaines de la rentrée scolaire et académique 2021-2022. Bon, le ministre des Transports est bien gentil. Il a de jolies vestes, mais vraiment, j'ai l'impression que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est dépassé par les événements. Et quand on est dépassé par les événements, on s'en va, sincèrement. Comment on peut imaginer que les routes, je parle par exemple de celles que j'emprunte souvent, Douala Yaoundé, la route, cette route est dans un piteux état. Uniquement pour éviter les trous et les dégradations, on m'a fait un accident. Lancé à 100 à l'heure, il faut 100 mètres, c'est le sentier qui le disent, pour un bus, entre la vue de l'obstacle et le moment où le véhicule freine, il faut 100 mètres. Donc forcément, il ne peut qu'y avoir des accidents, puisqu'il y a une prolifération de trous et de dégradations de la chaussée. Que ce soit le jour ou la nuit, même si vous allongez le trajet, à partir du moment où il y a cette dégradation, c'est un fait, il y aura des accidents. C'est la première chose. Deuxième chose, chaque fois, il a l'air d'être surpris, prendre des mesures. Mais les premières mesures, c'est de vérifier l'authenticité des permis de conduire de tous ces chauffeurs. Quand on les voit rouler sur la,
sur la chaussée, on a l'impression qu'ils n'ont jamais été dans une auto-école. Comment voulez-vous qu'il y ait des bus qui n'ont pas certains rétroviseurs et ils roulent à plus de 100 à l'heure. Ensuite, et c'est le minimum, il n'y a pas de signalisation. Moi, on m'a plusieurs fois flashé. Je posais la question aux gendarmes. Vous faites une limitation de vitesse, oui. Mais le panneau de limitation de vitesse a un corollaire. Fin de limitation de vitesse. Le moment, la chose primordiale à laquelle le ministère des Transports doit s'atteler maintenant, c'est de faire de la signalisation routière. Elle n'existe pas. Alors la nuit, les bordures qui devaient être luminescentes n'existent pas. Donc, chaque fois que je prends la route Douala-Yaoundé, je vois des camions dans le ravin, des voitures dans le ravin, des accidents inexplicables. Vous pensez que les mesures qui sont prises par le ministre des Transports au Cameroun sont des mesures cosmétiques? Parce que si on prend le cas de la falaise, hein, de la falaise de Tchan, avec le nombre d'accidents enregistrés ces derniers temps, de ce côté-là, on avait indiqué qu'il fallait travailler sur la signalisation routière, mettre des radars, mettre l'éclairage public, entre autres. Mais aujourd'hui, donc on vous dit que dans ce sens, ça n'a pas été... Sur la falaise de Tchan, il n'y a pas de signalisation routière verticale, il n'y en a pas. Alors que sur une falaise, ça devait être des bordures luminescentes partout. Il n'y a pas. Le gouvernement prend des mesures spectaculaires lorsqu'il y a une hécatombe pareille. Oui, ça fait du bruit, il est suspendu. Mais un mois après, on revient au point de départ. Parce que le fondamental n'a pas été changé. L'état des routes, la vérification des permis de conduire et un contrôle permanent, des contrôles permanents et inopinés dans les agences de voyage. Moi, j'ai été dans les agences de voyage pour prendre. Je n'ai jamais vu de contrôle inopiné. Ça veut dire qu'ils sont pratiquement inexistants. Donc, vraiment, 40 morts, c'est vrai que bon, il n'y a pas de risque zéro, mais ça commence à bien faire. Il faut interroger. On est en train de monter progressivement au-dessus de ce qui se faisait avant. Avant, on avait 15 morts, maintenant c'est 40. Mais imaginez-vous un jour, surtout comme la rentrée arrive, on va avoir 100 morts dans un week-end. Les pouvoirs publics sont donc interpellés, Abdoulaye Ardo. C'est un problème crucial qui se pose depuis fort longtemps avec Acuité. Par exemple, certaines agences de voyage ont indiqué au cours de cette rencontre que les chauffeurs avaient des relais. Contrairement à d'autres qui ont un chauffeur qui assure deux ou trois voyages dans la même journée, il y a la fatigue, il y a que le repos n'est pas observé. Est-ce que le fait que le ministre décide que désormais on respecte une certaine régulation, qui voudrait qu'on respecte également le timing réservé au voyage et qu'on essaye de voir comment mettre en place des mécanismes de surveillance, est-ce que cela viendra changer grand-chose sur le terrain? D'abord, il faut commencer par dire, le président Ekane l'a indiqué, c'est parce qu'il est poli qu'il a appelé l'axe Douala-Yaoundé route. En vérité, c'est une piste rurale, puisque quand vous allez au champ, il n'y a pas de signalisation. Il n'y a pas de signalisation également là-dessus. Le lieu le plus dangereux de l'axe Douala-Yaoundé, c'est le péage d'Eder. Parce que je n'ai jamais vu une chaussée pareille quelque part. Vous pouvez quitter de Douala, Douala et Eder, c'est moins de 100 km. Mais au péage, vous pouvez faire une heure pour payer 500 francs. Parce que c'est gâté et il y a une très longue file. Ça, c'est dingue. De deux. Et ça excite les chauffeurs. Effectivement. Si vous l'attrapez. Voilà le temps. Après le péage, maintenant, vous empruntez la route, il n'y a rien. Les seules plaques qui existaient, c'est là où on a planté. Ici, il y a eu 40 morts. Ici, il y a eu 15 morts. C'est ces plaques-là. Je ne sais pas si ça existe dans le code de la route, mais ça, au moins, on voit. Mais on ne voit pas les autres plaques. Maintenant, le ministre est sorti pour sanctionner. Parce que les gens ont critiqué sa première prise de position. Sa première prise de position, c'était quoi? C'était de dire que au prochain accident, les bus là seront, les agents seront sanctionnés. Donc, s'il n'y avait pas eu la pression de l'opinion, ils n'auraient pas pris ces sanctions-là.
Autre chose qu'il faudrait également indiquer, au niveau des agences, autant ces gens veulent avoir de l'argent, autant les chauffeurs ou les conducteurs eux-mêmes, parce que mal payés, veulent avoir de l'argent. Il y a des bus interurbains où devant, le chauffeur est assis avec 4 personnes. Ouais, tout à fait. Donc, la vitesse, c'est les gens enjambent comme ça, donc il fait sa vitesse entre les cuisses. On surcharge. Oui, des gens inacceptables. Voilà, tout le monde le sait. Maintenant, ce chauffeur qui transporte plus de 70 personnes, on est allé lui dire que son bus a chargé, il était au bar. C'est-à-dire, c'est au bar qu'on lui dit que bon, c'est déjà plein. Viens décoller. Bon, ça, c'est des conditions cumulées qui ne peuvent que donner l'accident. Une fois qu'il arrive à Douala, il trouve qu'il y a des passagers. On lui dit, retourne. Avec la fatigue, il ne se repose pas, il retourne. Donc, moi, je crois que... Faire un tour au bar. Voilà, après... Parce que là-bas, si on le rappelle au bar, le temps de décharger, il s'assoit d'abord un peu. Donc, vraiment, tout ça là, cumulé, ne peut que donner ça. Et je crois que s'il y a un pourcentage à définir, le manque de signalisation, le mauvais état des routes, l'argent des péages qu'on prend, mais qu'on n'utilise pas pour les péages, l'État, dans ces accidents-là, a 60% de responsabilité. Sinon plus. Maintenant, le reste, c'est entre les agences, la gendarmerie, la police également, sur le compte de l'État. Donc, si on cumule, ça fait 80%. C'est l'État, parce que la corruption, c'est des agents de l'État qui la font. Donc, pour moi, les agences, les chauffeurs ou les conducteurs représentent la grosse part aujourd'hui, c'est l'État. C'est l'État qui doit le contrôler. Effectivement, l'État dit que on va vous dire bon, non, même aux États-Unis, les gens font les accidents de circulation alors que c'est des autoroutes. Faites d'abord des autoroutes. Si les gens font des accidents de circulation, à ce moment-là, on va donc dire que non. L'État, lui, n'est pas responsable. Il faut essayer également d'interroger l'âge des véhicules en circulation sur nos axes routiers, sans oublier de parler des visites techniques. Tout ça, c'est l'État qui s'occupe de ça, qui doit contrôler, même s'il attribue aux privés, c'est des privés agréés qu'il doit contrôler. Quel que soit le bout par lequel on prend le problème, c'est l'État. Qui est responsable. Donc, la responsabilité, justement, on voudrait qu'elle soit poussée à plusieurs niveaux. D'aucuns estiment que fermer une agence de voyage, forcément, ne résout pas le problème et qu'il faudrait que les responsabilités soient établies à tous les niveaux, commençant aussi par le conducteur. Il pouvait être en état d'ivresse, il pouvait également être celui qui n'a pas été très attentif à un certain moment parce que la conduite demande les mêmes réflexes à tous les coups. La fatigue en elle-même n'est pas considérée parce que la moindre faute entraîne des conséquences parfois de l'irréparable. Hein, Justin Noah, est-ce qu'on doit aussi interpeller en justice les conducteurs de ces bus-là, parce qu'ils se disent que lorsqu'il y a un accident, c'est l'agence qui endosse, et puis l'agence est face au ministre, face au gouvernement camerounais, lui qui a pourtant causé cet accident, peut-être dû aux mauvaises conditions de travail, dû peut-être à une nervosité à l'endroit de ses patrons dans l'entreprise, il va faire tuer autant de Camerounais. Est-ce qu'il n'est pas temps qu'on amène aussi ces chauffeurs de bus devant la justice? Oui, avant d'y arriver, je m'en voudrais de ne pas rebondir sur la déclaration de mon compatriote du RDPC, qui veut manipuler l'opinion nationale internationale en voulant nous faire croire que nous avons au Cameroun une justice indépendante. Tout le monde sait que la justice au Cameroun n'est pas indépendante, elle n'est pas un pouvoir non plus. Nous avons avancé. Cela dit, le président Ekane Anissé a mentionné que les renseignements n'ont pas fonctionné dans le cadre des conflits, des affrontements à l'extrême nord. Et c'est normal, puisque les renseignements sont plus préoccupés à contrôler les mouvements des militants du MRC qu'à faire exactement ce pourquoi ils sont payés. Maintenant, lorsque nous parlons des accidents de route, les autres ont essayé de larguer les causes de ces accidents-là, notamment
les routes, l'absence de signalisation, la corruption, qui a une grosse part. Et c'est pourquoi je pense que je suis d'accord avec le président Ekani lorsqu'il dit que c'est des mesures spectaculaires, tout simplement pour essayer de calmer l'opinion nationale. La réalité est que ça ne marche pas, puisqu'il y a pas mal de mesures qui existent déjà, que ce soit notamment dans le Fundi ou dans le Vouri, où on vous dit que les camions, par exemple, ne doivent pas, les groumiers ne doivent pas circuler dans une plage d'heure bien précise. Mais chacun d'entre nous voit chaque jour les groumiers passer à des heures durant lesquelles elles ne sont pas censées circuler. Ils ne sont pas censés, les groumiers, je veux dire, ils ne sont pas censés circuler. Ça veut dire quoi? Parce que le monsieur, il a vu, il est entré dans la ville, il a donné quelque chose à un policier ou un gendarme, et puis on le laisse circuler. Lorsque le ministre vous dit, ok, je vais résoudre ce problème, je vais empêcher vraiment qu'il y ait des accidents, sans avoir résolu le problème de l'état de route, sans avoir résolu le problème de la signalisation, et vous dites, ok, ça, c'est pas ça la véritable cause. La cause, elle est entièrement humaine. Moi, je vais régler ça. Désormais, vous partez de Douala pour Yaoundé, c'est 5 heures. De Yaoundé pour Bafoussam, c'est 6 heures. Eh bien, voyons, je suis conducteur, je pars moi de tranquillement de Douala. Je file de Douala jusqu'à 120 km même par heure, jusqu'à Edea, je m'arrête à Edea. Tranquillement, je consomme mes bières. Je les décolle jusqu'à Bougnum, je m'arrête encore, je consomme mes bières. J'arrive 5 mois après le départ. On dit, ok, il a respecté, mais en réalité, il n'a pas respecté, parce qu'entre-temps, il est allé très vite. Deuxième chose, ça va plutôt augmenter la corruption, parce que au départ ou à l'arrivée, vous avez un peu plus tôt, vous donnez un peu d'argent et puis on ferme les yeux là-dessus. Ça ne résout aucun problème. Et justement, est-ce que les agences de voyage ne voient pas en cet élargissement du temps imparti au voyage une sorte de handicap dans la recette? Parce que tout passe aussi par là. Moi, je dis, il ne faut pas laisser l'homme uniquement au centre de résoudre le problème. Il y a les contrôleurs de vitesse qui existent, des appareils qu'on installe dans les véhicules. On peut exiger que tous les agents de voyage les installent, c'est-à-dire que ce soit les bus ou les cars de transport, vous les installez dans vos véhicules, même les camions. À ce moment-là, ça ne dépend plus de l'individu. Non, la technologie va s'en occuper. Vous n'allez plus être obligé d'aller donner 500 francs, 1000 francs. Ça existe déjà hein, dans tous les véhicules modernes, sauf que si vous choisissez de ne pas l'activer, il y a un retardateur qui existe. Hein. Je vous dis non, au Cameroun, non. Non. Si ça c'était vraiment le premier portant d'accident. J'entends dire qu'il y a quelques agences qui ont commencé à installer, mais pas toutes. On doit en faire une obligation dans le cadre, n'est-ce pas, de la licence. Il faut, ça doit être obligatoire, installer des contrôleurs de vitesse dans vos véhicules. C'est marqué derrière les véhicules, pas plus de 60 dans le. Mais c'est pas fond, c'est, ça, les, nulle part. Les voitures passent. Voilà, à 80, 100 à l'heure. On a même vu une agence de voyage là, où le conducteur a posé vraiment le pied sur la cabine. Ça circule par toutes ces choses. C'est des choses qui inadmissibles. Deuxième chose, il faut imposer aux agences de transport de ménager les conducteurs et d'améliorer même les salaires. Parce que ces gens, un bus travaille combien pour une agence? Et quel est le salaire du conducteur? Pas grand-chose. Et vous voulez qu'il travaille dans quel état d'esprit? Et sans oublier qu'il peut être renvoyé à tout moment. Voilà. Donc, il faut imposer, que ce soit aux sociétés de transport par camion ou aux sociétés aux agents de voyage, il faut leur imposer de ménager les conducteurs et même voir quels sont les salaires qui sont payés à ces camionneurs-là. Ça, je pense qu'en le faisant, uniquement après qu'on pense améliorer l'état de nos routes. Parce que chaque jour, nous payons. On a dévoyé ce qu'on appelle le péage. Le péage n'a pas été fait là. Le péage est censé permet l'entretien routier, mais ce n'est pas le cas. Mais la gestion de cet argent, c'est notre serpent de mer. Hein, oui, ce régime, laissez-moi le dire, ce régime dévoile tout. On vous dit le péage, c'est pour l'entretien routier, ils prennent, ils mettent dans les poches. On vous dit voilà l'argent, le riz pour mettre la population, ils prennent, ils volent. Oh, je vous reviens. Ils sont plus que des souris, ces messieurs. C'est Simon Metzger. On va se calmer un tout petit peu, hein, Roger. Je me calme, mais à tous les coups, vous êtes très fâché, là. C'est normal qu'en tant que citoyen, face à tout ce que ces gens font, il faut que je sois fâché. Tout à fait. 4 100 de riz, ils ont volé, 180 milliards, ils ont volé, mais c'est trop.
Merci d'être avec nous. C'est aussi ça, les échanges sur CAM10 TV en toute intelligence et en toute convivialité. Avec vous, Simon Metsenge, c'est vrai que vous êtes au premier chef, hein, proche des populations camerounaises. Lorsqu'il y a un accident de la circulation qui se produit, tout le monde pense que les pouvoirs publics n'ont pas fait leur travail. Mais derrière, il y a aussi qu'il faut établir la responsabilité de tout ce qui rentre dans le cadre de la circulation routière. Le ministre des Transports a fait une énième sortie. Bien avant, il y a 4-5 mois par là, il avait déjà sanctionné les agences de voyage. À chaque fois, il sanctionne. Mais finalement, comment doit-on agir au niveau du secteur des transports? Quelles sont les pistes à proposer pour que le ministre, effectivement, lorsqu'il prend une mesure, au-delà de ce qui a été indiqué sur ce plateau, pour qu'on n'ait pas des hécatombes dans les semaines qui arrivent? Vous savez, ce problème préoccupe au premier chef le RDPC, parce que ce sont des citoyens qui en pâtissent et ce n'est pas bien. Mais il faut noter qu'il ne faut pas effleurer ces problèmes au risque de ne pas toujours recommencer avec la même rengaine. Vous vous souvenez qu'il y a 3 ou 4 mois aujourd'hui, justement, il y avait des morts et on est revenu sur les mêmes points. Parce que la plupart du temps, on est resté dans la logique de l'incrimination du gouvernement. Ça, c'est une chose. Parce que quand vous regardez bien les causes des accidents, vous allez vous rendre compte que la première cause des accidents, c'est effectivement l'excès de vitesse. De deux, il y a le traitement des chauffeurs. De 3, maintenant, vous avez l'état de la route. Et en 4, on peut noter même, évidemment, le transport clandestin. Vous voulez connaître alors, qui a... maintenant, il y a une chose. Parce que les émissions comme celle-ci aussi sont des émissions d'éducation. Moi, je voyage la plupart du temps au Yaoundé, Douala, Bafoussam et autres. J'ai souvent pris des agences sérieuses. Il y en a, on ne va pas faire la publicité ici, mais des agences sérieuses. Peut-être certains trouvent que c'est cher. Par exemple, pour aller à Douala, vous avez 6 000 francs, vous voyagez normalement. Mais une personne peut avoir ces 6 000 francs et dit, bon, je vais prendre ce que vous appelez les makamazou. Il va s'asseoir, il boit ses bières, ainsi de suite, il entre dans un truc, peu importe, il faut suffisamment qu'il arrive. Maintenant, lorsqu'il y a accident, on ne va pas d'abord responsabiliser, c'est-à-dire que attirer la responsabilité de ceux qui prennent ces agences-là, et on va seulement dire l'État. Après un autre accident, on reviendra pour dire l'État, non. Il y a des agences. Mais ça pose un problème. On va prendre des agences, il y a des 6 000, 8 000, avec un salaire, quel revenu. Il y a des agences sérieuses qui transportent très bien les citoyens. Et les accidents, c'est un accident, mais les accidents sont très rares de ce côté-là. Donc il faut interpeller d'abord ceux-là qui empruntent des agences de bien choisir, de bien préparer leur voyage, c'est-à-dire de savoir que quand je vais pour Douala, je dois apporter telle chose. Toujours la manipulation. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est la responsabilité des syndicats. Les syndicats au Cameroun sont devenus comme des partis politiques. En fait, ils font tous la politique. Ils ne font pas le travail. Vous devez vous rendre compte que, justement, quand vous regardez les mesures que le ministre a prises, il est appuyé sur la base de cela. Vous devez vous rendre compte que, parce qu'un chauffeur, il fait 3-4 mois sans salaire. Et évidemment, quand il fait 3 mois, 4, il compte sur le nombre de tours qu'il fait. Parce qu'en route, il va prendre des gens, ainsi de suite, et il peut racoler pour payer sa chambre, ainsi de suite. Et donc, ce n'est pas seulement le gouvernement qui peut gérer ce problème. Ce sont les syndicats qui sont chargés, justement, de s'occuper de syndiquer. Mmh. Mais s'ils sont dans la logique de faire de la politique, de dire oui, c'est le gouvernement, ça ne va pas, ainsi de suite, ça ne donne plus. Et donc, troisième des choses, les chauffeurs eux-mêmes. Parce que vous allez vous rendre compte que aujourd'hui, certaines personnes, il n'y a pas que les chauffeurs de transport, il y a même les mototaxis même. A dit qu'il y a une certaine irresponsabilité dans la conduite aujourd'hui. Est-ce que Simon, le problème ne peut pas être pris autrement? C'est-à-dire aller voir si les chauffeurs de ces bus-là sont-ils titularisés? Est-ce qu'ils ont des contrats de travail? Est-ce qu'ils ont des engagements? Est-ce que les pouvoirs publics veulent aller jusqu'au niveau de voir comment réguler et avoir des titulaires? Parce que ça peut être ce qu'ils appellent parfois des attaquants. Ils arrivent, on lui donne le volant d'un bus et il est parti. Justement, ça aussi, c'est le rôle des syndicats. Vous savez, un État ne fonctionne pas. C'est-à-dire que le gouvernement ne peut pas tout faire. C'est un maillage des acteurs. Il y a les syndicats, il y a les transporteurs, il y a le gouvernement, il y a même la population. Si ces quatre acteurs ne se mettent pas ensemble, ben, le gouvernement va beau faire tout ce qu'il a à faire, mais il n'y aura rien. Vous savez très bien qu'entre 2015 et en 2015, c'était le pic, on avait 1500 morts cette année-là.
Et évidemment, le gouvernement a pris ces mesures en mettant les radars dans les grands axes pour essayer. Et on parlait de 25 000, c'est-à-dire que dès que vous dépassez, disons, vous donnez 25 000, on a dit non, mais c'est la corruption parce que les adeptes de M. Noir sont les champions là. Mais par contre, ça vous va cet argent. Ici, dessus, ici, dessus. Voilà, il parle d'argent, alors que nous, on parle de sanctions pour pouvoir garantir la vie des gens. Donc, il faut se dire une chose aujourd'hui, c'est qu'il faut responsabiliser. Ce qui se passe aujourd'hui dans nos routes, chaque acteur est responsable à son niveau. Quand on fait, il y a un cabinet qui a fait, je crois, il y a deux mois, qui a séquencé, qui a sorti des statistiques en fonction des acteurs. On vous dit que l'état des routes, c'est 15%. Le reste, c'est ça vient du chauffeur, c'est-à-dire de son traitement et tout ce qui va avec. Mais jusqu'ici, qu'est-ce qu'on fait? On est toujours en train de titiller le gouvernement, ainsi de suite. Oui, le gouvernement fait, mais ils doivent continuer à faire. Mais il faut se dire une chose, c'est quoi? C'est qu'il faut pointer du doigt tous ces acteurs qui restent là. On reste dans la responsabilité, mais toujours est-il que celui qui arbitre, celui qui régule, c'est l'État. C'est pour cela que quand ça va mal, on se retourne vers l'État pour trouver des solutions qui s'imposent. Pour sortir. Nous sommes comme dans un terrain de football. Ce n'est pas l'arbitre qui va marquer le but. La butte là juste pour réguler, ce sont les acteurs qui quand la butte est corrompue, chaque fois que vous avez dit non, qu'est-ce que la butte a fait, voilà, on reviendra à la logique de quand la butte est corrompue. Votre responsabilité, vous-même en tant que promoteur, vous prenez un bus qui a 50 ans d'âge. Mais c'est un mot. Non. Il y a des bus neufs aussi qui font des accidents. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a des exemples, ici. Qui font tas d'huile. Moi, je dis, chaque fois que je vais à Douala, j'ai une agence dans laquelle, s'il n'y a pas de bus, j'attends. Parce que c'est que, au moins, j'ai... On a le choix. Hein. Voilà. Non, mais là, on va sortir de la thématique. En quelques secondes, s'il vous plaît, nous sortons de la thématique avec des propositions et forcément des éléments qui vont aider et le Camerounais lambda à aller vers la meilleure agence de voyage, également les pouvoirs publics, en cas de situation critique, à prendre des mesures qui s'imposent et qui seront productives à l'avenir. Je commence par vous. Oui, alors, la meilleure façon de ne pas trouver de responsables, c'est de diluer les responsabilités. Que nous sommes tous responsables. Non. Quand on parle souvent de corruption ou de détournement, on dit, mais tous les Camerounais sont des corrompus. C'est pas vrai. Il ne faut pas diluer les responsabilités. Vous savez, il y a le code de la route, mais il y a quand même le policier. Il y a des règles, mais le policier et le gendarme sont quand même là pour les faire respecter. C'est l'État. Oui. Est-ce que le policier sera derrière chaque chauffeur à tout moment? Personne ne l'a dit. Même le policier fait l'exception, c'est-à-dire que quand ça ne va pas, il régule. Pourquoi dans les autres pays, on réduit le nombre d'accidents et de morts? Chez nous, on... Ça monte. Ça a été réduit. De 2015, nous sommes à 931. Permettez, s'il vous plaît, Simon, qui est la chef. Ensuite, l'État est responsable de la vie des citoyens. Donc, l'État empêche aux personnes de se suicider. L'État a le devoir de nous empêcher même d'aller nous suicider sur les routes. En faisant quoi? En mettant un cadre qui nous empêche d'aller nous suicider sur la route avec... on nous a bien indiqué ici qu'on demande au chauffeur de décoller. C'est-à-dire qu'on fait le remplissage, on atteint même exagérément le taux indiqué. Donc le chauffeur lui-même est en train de lever le coude quelque part à côté. Après, il arrive dans ces états-là, dans ces conditions-là, il décolle et puis c'est un accident par la suite. L'État est où en ce moment-là? Il suffit que le ministère des Transports mette dans les agences des guetteurs et que les compteurs inopinés soit multiplié. Au moment où le chauffeur doit prendre le bus, on fait un narcotest. Si on fait ça 10 fois dans le mois, dans une agence, ils vont faire automatiquement qu'il y ait des sanctions qui accompagnent ça. Ah oui, mais le fait même de constater, ça va automatiquement changer. Parce que les sanctions vont suivre. Mais à partir du moment où pratiquement c'est annoncé au chef d'agence qu'on va venir contrôler, bah forcément ce jour-là, il n'y aura pas des dispositions. Vraiment, compatriote de RDPC, il faut rentrer dans votre mentalité que l'État est responsable de la société. C'est vrai. C'est-à-dire faire en sorte, par l'éducation et les moyens qu'il a, la CRTV sert à quoi? Non, c'est le tam-tam de l'autre. Dans tous les pays du monde, les émissions sur le code de la route sont fréquentes. Dès que ça pose un problème de santé publique,
comme c'est le cas aujourd'hui, dont l'État doit tout faire, multiplier les initiatives, être patient, être pédagogue pour que il nous empêche de nous suicider sur les routes. Merci, c'est noté, président Ikane Abdoulaye Ado. Oui, moi, la première des choses, c'est d'abord qu'on ait des routes matérialisées, qu'on ait des routes entretenues. Maintenant, si les gens partent mourir, on sait qu'il y a des conditions minimales qui ont été mises à leur disposition, mais les fautes humaines qui leur sont imputables ont conduit à des catastrophes routières. Mais à partir du moment où la route n'est pas matérialisée, si je suis de mauvaise foi, je dis que bon, je ne pouvais pas savoir quoi faire à ce niveau-là, parce que si c'est dans la nuit, il y a une mauvaise visibilité. La matérialisation de la route permet de conduire dans la nuit très bien. Il y a des trous. Le dernier accident dans la Léquée, c'est sur un pont. Et il y avait un cratère quand le camion de sable voulait éviter. Il est allé percuter le bus. Et c'est des élèves pour la plupart. Il y a eu 22 morts, je crois, sur place. Donc moi, je crois quand même que, même si, parce que c'est l'État qui doit discipliner tout le monde. Absolument. C'est ça. Merci. Mais il doit d'abord mettre les conditions. Quand vous dites que, on va sûrement me dire que, bon, dans les mécanismes financiers chez nous, la caisse du trésor est unique et on utilise les dépenses en fonction des priorités. Que l'argent de péage aille vraiment dans le maintien de ces routes-là. Ou bien si l'État a d'autres moyens de construire d'autres routes, que l'État fasse, mais ça passe d'abord par là. Et il y a un fonds routier hein, qui existe au Cameroun, qui est voté chaque année au niveau du Parlement. On parle, je crois, de 100 milliards. Mais il est un fonds, il doit accompagner l'argent des péages. Merci. Ouais. Justin Roger Noah, sorti et surtout des propositions qui peuvent aider hein, le gouvernement à faire face aux différents accidents sur la voie. Oui, je pense que lorsque, après avoir retenu les causes de ces accidents-là, on a d'abord l'état des routes. Nous savions que nos frères qui sont aux affaires aujourd'hui n'aiment pas dépenser quand il s'agit d'intérêt général. Ils aiment plutôt se les mettre dans les poches. Donc, si on leur demande de construire des routes, on va attendre très longtemps. D'ailleurs, que depuis qu'ils sont là, ils n'ont jamais pu construire des routes. Hein? Macky Sall au Sénégal a déjà pu construire 250 km d'autoroute depuis qu'il est là. Le nôtre ici, même 70 km de route, on n'a pas encore construit. Donc, on va seulement leur demander. 140. On va seulement leur demander, les 740, même 60 km, on n'est pas encore fini. On va leur demander au moins de pouvoir boucher les trous d'éléphants qui sont sur nos principales routes là pour qu'on puisse au moins circuler. Et des ponts comme ce qu'il a mentionné au niveau du péage des DA. Deuxième chose, ça ne leur coûte pas beaucoup d'argent. La signalisation, ça ne coûte rien du tout. La signalisation sur nos routes, ça ne coûte presque rien du tout. Donc ils peuvent au moins le faire. Troisième chose, comme je l'ai dit, il faut peut-être une décision, un arrêté du ministre pour faire en sorte qu'obliger les sociétés qui ont des camions ou qui font du transport par camion et les sociétés des agences de voyage à installer dans leurs véhicules des contrôleurs de vitesse. Et on peut y mettre la vitesse maximale, par exemple, à 80 km. Ce serait plus efficace que de parler de limiter le temps de voyage. Ce serait très plus efficace. Dernière chose que je proposerais, c'est effectivement revoir, forcer ces sociétés-là et l'agent de voyage à revoir le salaire, n'est-ce pas, des conducteurs. Même si je précise que les arrêts de salaire, ce n'est pas seulement dans les agents de voyage. Quand vous allez dans nos mairies, qui sont pour la plupart sur la gestion, n'est-ce pas, du RDPC, vous vous rendez compte que les gens ont 6 mois, il y a certains qui ont déjà 1 an. Lorsque le maire n'est pas en train de prendre l'argent des morts, comme chez moi, à la commune de ça. C'est un autre débat, d'autant plus qu'on sait, ça me permet de faire une petite virgule sur le Conseil national de la descente.
centralisation qui s'est tenue il y a un mois, il fallait son accélération sur la présidence du chef de gouvernement. On a également parlé de voir comment épurer les salaires de chez magistrats municipaux. C'est un problème qui est posé sur la table. Des agents aussi, d'abord. Des agents qui forcément trouvera des éléments de réponse. Merci de rester sur les antennes de CAM 10 Télévision. C'est le débat du dimanche. Nous passons à la deuxième thématique de ce soir. Nous parlons de la disparition de ce grand économiste qui est parti de côté de Toronto, Canada, même si aucun ne le reconnaisse pas. La casquette de militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun, il était devant une grosse association, un grand mouvement, Agir, qui visait à trouver des solutions et à pousser le Cameroun au devant de la scène, également à sortir de ses difficultés. Christian Pendaekoka est décédé, mais sauf que dans sa disparition, il y a des zones d'ombre qui persistent dans la gestion de l'opération Survie Cameroun, à lui confiée par le professeur Maurice Kamto. Je vous redonne la parole au Roger Justin Noah. Christian Pendaekoka s'en est allé. Quel est l'état d'esprit au sein du MRC et la problématique autour de la gestion de l'argent du Covid par Survie Cameroun qui pose le problème? Écoutez, je voudrais d'abord m'incliner devant la disparition de cette illustre personnalité qui nous a malheureusement quittés. Et comme vous le savez si bien, nous, au moment de la naissance du Cameroun, nous sommes très éplorés par la disparition. Et le président national du parti, le professeur Maurice Kamto, l'a fait savoir dans une déclaration relative à cette disparition-là. Vous saviez que, bien avant ce que certains considèrent comme de bruit, il a toujours eu des relations cordiales avec celui qu'il appelait son frère. Je pense que c'est une perte énorme pour notre pays, parce que ayant interagi avec lui, je peux témoigner ici que c'est un homme de principe qui avait un sens élevé, n'est-ce pas, du service rendu, un travailleur acharné et quelqu'un de rigoureux, surtout dans la gestion de l'argent. Je peux vous donner une anecdote. Mais sauf qu'il faut qu'on aille un peu, qu'on mette un peu le pied à l'étrier. Au-delà de ce qu'il avait cette rigueur dans la gestion des affaires financières, mais il s'est interrogé sur le bug de 200 millions de francs CFA, ce qui a posé problème jusqu'à aujourd'hui, même dans l'entendement et des Camerounais et des pouvoirs publics. Écoutez, le bug, vous le savez si bien, ça existe et ce n'est pas arrivé comme ça. C'est pas arrivé comme ça. L'initiateur de Suivi Cameroun a commis un audit informatique qui a pu déceler exactement quel était le problème. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on arrive à ce que vous appelez bug, et on a identifié 91 contributions qui avait des problèmes. Et ce cabinet indien a clairement dit que c'était le résultat d'un malfonctionnement, n'est-ce pas, d'un logiciel. Donc, je ne vois pas pourquoi on va s'étendre sur la question à partir du moment des techniciens hautement qualifiés ont identifié directement et clairement le problème. Oui, Roger Justin, les mêmes techniciens ont indiqué que quels que soient les bugs informatiques qui existent, il y a la traçabilité. On retrouve quand même qu'il y a des moyens qui ont été déposés dans un compte. Ce n'est pas parce qu'il y a bug qu'on ne retrouve plus l'argent. Peut-être c'est cela qui a emporté Pendaekoka dans sa tombe quand il apprend que 200 millions ont disparu ainsi. Mais je ne sais pas si je dois m'exprimer en chinois. Puisque je vous dis, les techniciens, vous parlez des traces. Effectivement, ils ont retrouvé les traces. Si, comment ils ont fait pour se rendre compte que se trouve l'argent, les constructions de 41 personnes qui ont créé le problème? C'est parce qu'ils ont retrouvé les traces. Ils ont démontré que les 300 000 euros là, en réalité, provenaient de là. Et donc, il n'y a pas eu, en tant que tel, un détournement, une disparition des fonds. Ça a été clairement fait d'une manière très scientifique. Et je ne vois pas pourquoi on ne veut pas l'accepter, parce qu'on veut à tout prix incriminer quelqu'un, dire que le MRC n'a pas su gérer. On ne prend même pas la peine de reconnaître que nous avons, la Suivi Cameroun a mené cette opération dans une adversité terrible, mise en place par le gouvernement lui-même. Et je voudrais rappeler, parce que je l'ai lu,
Le monsieur Christian Perrin, en tant que président du comité de gestion, avait écrit à certaines institutions de ce pays, notamment ministère des Finances, ministère de l'Économie, DGSE, pour leur dire, envoyer des représentants dans l'équipe de gestion pour qu'on voit. Si ces gens l'avaient fait, ils auraient plus d'éléments aujourd'hui. Et peut-être ils auraient pu vous éclairer, mais ils ne l'ont pas fait parce qu'ils voulaient tout simplement détruire l'initiative. Alors qu'il s'agissait de l'intérêt des Camerounais. Aujourd'hui, on se rend compte qu'ils ont plutôt détourné 180 milliards, n'ont rien fait pour le Camerounais. Et on nous dit aujourd'hui qu'il y a une menace de plus en plus forte, n'est-ce pas, le ministre de la Santé publique a fait un tweet, hein, mais pour l'instant, il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence, quand même, on va pas... Ah, la présomption, là, c'est quand il s'agit des ministres. Hein. Tant que les enquêtes sont en cours, hein, donc l'État, il travaille. Donc, attendez, je veux revenir. Donnez-moi une minute. Ça, c'est une notion, je ne peux pas laisser passer. Parce que la présomption d'innocence ne concerne pas que les ministres. Chaque jour, dans vos télévisions, vous montrez des Camerounais qu'on a arrêtés à visage découvert. Est-ce que ces gens-là n'ont pas eu droit à la présomption d'innocence? Il ne s'agit pas seulement des ministres. Vous aviez accusé M. Kamto plusieurs fois de ceci ou de cela. Est-ce que lui n'a pas droit à la présomption d'innocence? Pourquoi votre présomption d'innocence a des yeux? Merci. Merci, Roger Justin Noah, Abdoulaye Ado. Oui. C'est vrai que l'opération concernant le MRC déchaîne des passions, mais je voulais, avec vous, au-delà de ce que vous allez indiquer, m'arrêter sur le cabinet d'audit en question. L'opération se déroule sur le territoire national, effectivement lancée au Cameroun, mais on va prendre les cabinets indiens et autres pour faire cet audit. Est-ce qu'il y a une compétence camerounaise qui pouvait nous donner de bons résultats relativement à la gestion de ces fonds couverts? Je rebondis rapidement, on aurait pu empêcher. Vous saviez que le président Kamto, la première institution qu'il a, le premier cabinet, c'était S.A. Young, Paris. Mais du Cameroun, on a tout fait pour empêcher S.A. Young à Paris de mener l'audit. Donc, même si à partir de ce moment-là, vous ne pouvez pas dire qu'on aurait pu faire appel aux Camerounais. Ils auraient subi le même sort. On aurait empêché, comme on a empêché S.A. Young d'agir. Merci, Roger. J'espère que je pourrai parler aussi librement. Ceci dit, d'abord, je m'incline devant le décès de M. Penda Ekoka et je suis solidaire à sa famille et à la et aux familles des 40 morts peut-être et plus dont on vient d'évoquer ici. D'abord, il faut dire une chose. Dans une initiative illégale, vous ne pouvez pas appeler l'administration à s'associer à vous. Parce qu'il faudrait qu'il y ait transparence. Donc c'est clair, cette initiative était illégale. Aucune structure administrative ne pouvait s'associer à cette aventure. Ça, c'est deux. De deux maintenant, il y a des cabinets qui pouvaient le faire ici. Il y a aussi la latitude de pouvoir prendre des cabinets à l'extérieur. Mais quand vous voyez que pour une même opération, on appelle tel cabinet. Peut-être qu'il y a eu 3 ou 4 audits. Moi, j'ai suivi, et le dernier propos que j'ai vu en télévision de M. Penda Ekoka, après le bug évoqué par le professeur Kamto, M. Penda Ekoka a demandé à un journaliste qui l'interviewait, il dit, vous-même, vous croyez à ce bug-là? Voici ce que je retiens. Est-ce que vous croyez? Ça veut dire que jusqu'à ce qu'il soit parti, il n'est pas d'accord avec ces audits-là. Et je crois que ce qui a noyé la poursuite des enquêtes par rapport à cet audit, et c'est pourquoi vous verrez partout où le MRC envoyait des gens sur les plateaux, il s'acharnait plutôt sur la gestion de 1180 milliards. C'est sur ça. Cette actualité est venue se superposer sur le scandale de Covid par rapport à survie. Donc, et c'est naturel, en politique, on cherche à retourner la situation. Mais Boulay, sinon, pourquoi l'argent de la gestion du Covid à tous les niveaux a posé problème dans le gouvernement et même dans les activités qui étaient parallèlement menées par les privés? Est-ce à dire que tous sont passibles des actes de corruption et que l'intérêt du Camerounais n'est toujours pas pris au premier chef? C'est clair, non? On a vu le flou. Ça vous dit que M. Penda Ekoka est parti, il n'est pas convaincu de ce qui s'est passé.
C'est lui qui était à la tête de cette initiative. Donc, il voyait flou dedans. Maintenant, quand vous êtes des donneurs de leçons, vous dites que vous allez bien gérer, vous êtes des exemples, et qu'on vous donne 1 million d'euros, je ne sais pas si ça atteint peut-être 650 millions de francs CFA, ou bien je ne sais combien, que vous soyez incapable de gérer. C'est le budget du Cameroun de 5 000 milliards que vous pouvez gérer. Donc, vous sans contestation. Je ne sais pas. Dans tous les cas, dans tous les cas, ce n'est pas transparent. Vous avez déroulé là, on vous a laissé. Ce n'est pas transparent. Dites ça comme ça, vous voulez dire. Et ça veut donc dire que quand vous êtes des donneurs de leçons, il faut être un exemple. Mais il est parti, c'est un flou. Nous, qui pour l'instant, nous sommes vivants, c'est aussi un flou parce qu'on ne sait pas si normalement ceux qui ont géré ça, le MRC, Survie Cameroun, les militants du MRC en tenue que je vis de temps en temps avec quelques, on appelle, quelques masques, quelques trucs pour... Enfin, le président Kamto était, voilà. Était dans les marchés. Moi, j'ai vu ça. Ça veut donc dire qu'ils sont impliqués là-dedans. Donc, pour moi, c'est une gestion qui n'a pas été transparente et jusqu'à présent... On n'est pas satisfait de ce qui s'est passé, surtout donc, même question, que c'était une opération illégale. La question de traçabilité se pose, justement en parlant de l'illégalité de l'opération. Je voulais avec vous, président Anissé Kane, essayer de comprendre. Christian Pendaye-Koka était, on lui avait confié la gestion de cette opération au niveau de la coordination, mais dans les signatures en termes de personnes. C'était pratiquement la troisième ou quatrième personnalité sur le compte en termes de vérification. Et maintenant, de deux, dans un pays sérieux, dans un pays où les problèmes de corruption se posent avec acuité, est-ce que le gouvernement, est-ce que le procureur de la République ne pourrait pas se saisir de cette affaire de manière ouverte et dire, ok, voilà une opération suivie Cameroun qui pose le problème pour essayer de faire la lumière, comment procéder pour qu'il n'y ait pas autant d'interrogations? Quand on parle de cette affaire aujourd'hui, c'est parce que Koka est mort. Parce que tous les autres aspects que vous évoquez là ont déjà été largement débattus avant. Moi, c'est ce qui m'embête, vous savez. Il y a des gens qui pêchent dans les eaux claires, d'autres qui pêchent dans les eaux troubles. J'ai l'impression que le parti de notre ami Noah aime tout ce qui est trouble. C'est jamais, on ne sort jamais de leurs affaires. Peut-être que c'est pareil pour le gouvernement, hein, certainement même. Mais on ne sort jamais de ces affaires édifiées sur la vérité. Il y a une tendance, M. Noah, quoi que vous en pensiez, à la calomnie dans vos rangs, aux invectives outrancières, à des comportements qui, bien avant que la situation soit clarifiée, les gens se lancent dans la calomnie. On disait déjà que Koka a retourné sa veste, c'est ça qui me gêne aujourd'hui. Quand il meurt et que cette affaire n'est pas réglée. Il meurt avec des soupçons sur lui. D'autres disent qu'il meurt pour avoir été accusé injustement par ses amis du RDPC. Moi c'est ça un peu qui me gêne. Et vous savez, les donneurs de leçons doivent être complètement exempts de malversation. De soupçons même de malversation. C'est ça qui pose problème dans cette affaire de survie. Et Koka est parti très amer. C'est une situation. Lui qui a fait un pas sérieux, parti de la présidence publique, pour accompagner notre candidat à la présidence, il est parti très amer de cette situation. À la limite, nous qui avons... Lui avions dit que c'est un saut dangereux parce que c'est une aventure dans laquelle il s'est plongé. Je crois que certainement avant sa mort, il doit avoir dit peut-être que... Et il a annoncé un déballage avant sa mort. Il disait qu'il reviendra pour faire de la lumière dans cette affaire. Moi, je crois que si Koka n'avait pas été soupçonné dans cette affaire... soupçonné lui-même personnellement, il n'aurait fait aucun déballage. Ce n'est pas dans sa nature
de dévoiler des trucs. Vraiment, moi, je connaissais assez bien pas sa nature. Mais il a été poussé par les attaques outrancières qui venaient de n'importe quel dernier militant du MRC. On a tout dit. On a tout dit. Ça pose un problème. Et ça fait, vous voyez, c'est le sort peut-être qui s'acharne sur Kamto. Ça fait deux de ses alliés qui sont partis dans des conditions, je veux dire, dans un climat de soupçon, d'attaque, d'injures, de trahison, de calomnie. Et ça, c'est pas bien. Ça laisse une impression que quand vous y allez, faites attention, parce que le boomerang va revenir. Moi, je crois que c'est ce qui me gêne. J'aimerais pas parler de... Moi, je n'ai pas une idée claire de cette affaire de bug, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, etc. Mais l'ambiance, le climat qui a entouré ces révélations et ce qui allait suivi comme climat de haine, de soupçon, etc., ça me gêne beaucoup. Surtout si à la fin, le principal incriminé disparaît. Également, les soupçons restent pesants sur beaucoup de personnes. Peut-être ça va rester une affaire non classée, hein, ou peut-être non élucidée pour les Camerounais. Oui, Simon Metsenge, on regarde la trajectoire de Christian Pendaï-Koka, conseiller économique à la présidence de la République, qui rejoint les rangs de l'opposition avec le mouvement pour la renaissance du Cameroun, même là-bas. Ils font également des choses, mais sauf qu'ils se retrouvent en prison avec le professeur Maurice Kamto et d'autres alliés. Et par la suite, il en ressort. La question du bug informatique se pose, dont le coronavirus, alors que du côté du gouvernement aussi, il y a des problèmes qui ont trait à la gestion de cette manne financière mise en place par les institutions internationales et le gouvernement du Cameroun. Est-ce que dans cette opération qui soit menée de part et d'autre, il n'y a pas que les uns et les autres n'ont pas été sérieux à leur niveau. Comment comprendre que Christian Pendaï-Koka n'ait pas eu l'occasion de dire tout ce qu'il aurait pu dire et de donner les chiffres exacts et qu'il soit pratiquement la quatrième personnalité sur la liste en termes de contrôle de gestion des finances rentrée dans un compte d'affectation pour l'occasion? Est-ce qu'il y a le flou qui a persisté et pourquoi les pouvoirs publics ne réagissent pas depuis pour faire la lumière? On a vu dans le coronavirus, et qui concerne ce que les Camerounais ont baptisé comme étant le Covid-Gate, avec le ministre des Finances, pratiquement tous les membres du gouvernement concernés par l'opération ont été jetés à la vindicte populaire sur les réseaux sociaux un peu partout. Mais du côté de la gestion de survie Cameroun, on n'a pas le sentiment que là-bas viendra forcément la lumière. Vous savez, en tant qu'illustre camerounais, nous inclinons devant sa mémoire. Tout a été su. Il n'y a rien qui puisse surprendre un camerounais lambda. On sait très bien que ce n'est pas M. Pendaï-Koka qui gérait cette nébuleuse à forte odeur de l'escroquerie, quoi. Et il faut qu'on se dise les vérités. Vous savez très bien que à partir même du moment, et ça s'est su avant, c'est-à-dire que M. Pendaï-Koka avait pondu une histoire comme disant que c'était un rapport de mi-parcours, mais c'était que des lettres. Il disait, j'ai lu une phrase qui m'a même fait rire, en disant, il reste encore de l'argent. Dans un rapport sérieux, on ne dit pas ça, parce qu'en vérité, en grand économiste qu'il était, il ne pouvait pas, peut-être qu'on lui a fait signer un truc de ce genre et balancer dans les réseaux sociaux. Et moi, j'ai très bien senti que ce n'est pas lui qui gérait cette histoire. C'est-à-dire que, et on a très bien compris que c'est le professeur Maurice Kamto lui-même qui gérait. C'est tout à fait normal, puisqu'il était le gérant, c'est le gérant du MRC. Et donc, si le compte est un compte du MRC, et bon, le principal signataire, un sur un, c'est le gérant. Donc, c'est lui qui décaissait les fonds, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, aujourd'hui, on lui a vendu une histoire. Mais je ne peux pas, je ne peux pas vous laisser dire ça pour la seule raison. Écoutez, il ne faut pas manipuler l'opinion nationale ou internationale. Monsieur Noir, calmez-vous. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Permettez qu'on aille jusqu'au bout. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Je vais vous informer. Permettez-moi de vous informer. Le professeur Maurice Kamto. Le professeur Maurice Kamto n'a pas été mêlé à la gestion de la République Cameroun. Très bien, monsieur. Il faut que vous le sachiez. Écoutez, ce n'est pas vos propos qui sont. Il n'a jamais été mêlé à la gestion de la République Cameroun. Je vous accorde des vérités bancaires. Si vous ne le saviez pas, même au Cameroun, il ne signe pas dans les comptes du MRC. Je vous
rapport de vérité bancaire. Est-ce que vous saviez, le gérant de votre parti, le gérant du directoire, c'est le professeur Maurice Kamto. Alors, quand vous faites... Il n'est pas le gérant, il est le président. Écoutez, c'est le gérant. En comptabilité, on parle de gérant. C'est le président, c'est pas... Vous êtes la comptabilité. Merci. Vous aurez la parole. Il est président. Justement, quand vous avez donc une association comme celle-là, c'est le président qui engage. Qui engage le parti. Mais il n'a pas engagé dans le suivi Cameroun. Et quand vous créez donc, un compte, on appelle ça un client. Le client peut avoir 99 comptes. Et donc, dans ces 99 comptes, là, il y avait le compte qu'on appelle suivi. Mais en réalité, c'était le compte MRC. Parce que le client s'appelle MRC. Et qui signait dans ce compte? Et donc, il ne peut pas avoir d'autre principal signataire que le gérant. Non. Et donc, mais c'est voilà, quoi j'ai dit? Monsieur Justin Noir, vous allez faire la lumière. Vous allez faire la lumière après. Allez en freelance. Allez à SSA. S'il vous plaît, Simon. S'il vous plaît, Simon. Oui, permettez. Oui, permettez que je reprenne la main. S'il vous plaît, permettez. Oui, Roger Justin Noir, s'il vous plaît. Vous savez, quand nous évoluons dans un débat scientifique comme celui-ci, permettons aux arguments de pouvoir faire la lumière. Vous aurez la parole et vous allez corriger. Mais je ne peux pas laisser ça, il ne faut pas que je continue. Vous aurez la parole. Vous n'avez pas empêché qu'il parle. Oui, mais vous, en tant que modérateur, vous devrez vous assurer que les gens disent des choses qui sont correctes, qui sont vraies. C'est pour ça qu'il y a des reprises après. Comme il n'a pas d'informations, moi je lui dis que le professeur Maurice Kamto ne signe pas même les comptes du MSC au Cameroun. C'est une vérité parfaite. C'est le gestionnaire. Vous êtes journaliste. C'est le gestionnaire. Allez vérifier le compte MSC. Vous verrez que le professeur Maurice Kamto ne signe pas. C'est noté. Voilà. Maintenant, on va rétablir les faits. On va rétablir les faits. Il faut qu'on baisse un peu l'attention. Oui, s'il vous plaît, chers panélistes, baissons un peu l'attention. Simon, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup. Ce sont des faits. Simon, il y a beaucoup d'accusations aussi. Allez vérifier. Un moment, quand même. Il ne faut pas trop appuyer sur le bouchon. Je vous dis que je passe le contrôle de tous les bancaires qui nous écoutent. Je dis ceci. S'il vous plaît. Une association. Nous sommes gérés par les statuts. C'est le président. Le gestionnaire de l'association, c'est d'abord le président. C'est pas une histoire de gestionnaire. Moi, je vous dis. Retour dans ce studio, c'est un calme relatif, ça ne nous a pas beaucoup permis de terminer en beauté la deuxième thématique dans la gestion des fonds Covid au Cameroun et même de survie Cameroun, deux entités, d'une part le gouvernement de la République et d'autre part l'initiative mise sur pied par le mouvement pour la renaissance du Cameroun pour ne pas retomber dans les mêmes travers et pour rester sur place. On va essayer de poursuivre parce que la tension n'est pas encore totalement partie, elle n'est pas encore baissé dans ce studio. On passe au sport. Permettez qu'on évolue, s'il vous plaît, parce que le temps est imparti à l'émission. Les minutes s'égrènent progressivement et on ne pourra pas rester dans une thématique qui crée beaucoup de grabuges dans ce studio. Mais parlons du sport. On reviendra forcément peut-être demain dans un prochain débat. On va écouter. Oui, s'il vous plaît, on va avancer. Le Cameroun, parlons du sport football. On parle de la Fédération Camerounaise de football. Ces derniers jours, son fonctionnement, ça va très mal. Le secrétaire général a été limogé par le président Seydou Bombo Ndiaye. Et puis, son remplaçant qui s'occupait de la communication, Parfait Sidi, désormais assure le poste de secrétaire général par intérim de la Fédération Camerounaise de football. Et tout à côté, la réaction du tribunal arbitral du sport relativement au fonctionnement du championnat camerounais a mis hors de fonctionnement la Ligue de football professionnel
professionnels du Cameroun reconnaissant la légitimité à la FECAFOOT. Tanissé Ekan est présent, je vous donne la parole sur la question. Le football camerounais va mal, sont les institutions internationales qui décident avec une influence sur certaines décisions et en interne sont des batailles en perspective qui s'ouvrent lorsqu'on sait que une assemblée générale extraordinaire forcément est annoncée et avec à la recherche un président de la fédération au Cameroun. Oui, le football va mal parce que la direction du football va mal et très très mal parce que vous ne pouvez pas gérer une affaire aussi importante que l'organisation du football dans un pays avec des institutions bancales, des institutions non pérennes qui sont constamment remises en question. Depuis une vingtaine d'années, rien n'a été admis de façon consensuelle ou tout au moins par tout le monde au niveau de la FECAFOOT. Comment voulez-vous qu'on avance malgré les énormes potentialités en matière de ressources humaines, footballistiques? On ne peut pas avoir un football qui marche dans des situations pareilles. Le responsable de la communication de... De l'ANDP, moi je ne suis pas de la. Ah, mais vous voulez peut-être lui coller une casquette hein, qui ne semble pas vouloir accepter pour l'instant. Il est quand même de la. Il va parler à son tour. Hein, il est quand même de la FECAFOOT. Je suis proche. Proche, voilà. Mais c'est, proche déjà, ça pose un problème. Non, donc, parce que vraiment, c'est incompréhensible. Et c'est également un problème de leadership, président. Lorsqu'on réfléchit, donc on demandait qu'il fallait ramener l'Assemblée générale de 2009 pour la gestion du football. De la mafia, le championnat n'est pas véritablement lancé. La mafia financière du football camerounais. C'est un problème. Vous savez, on parlait tout à l'heure des guerres. Toutes les guerres ont un fondement socio-économique. Les guerres à la FECAFOOT ont un seul fondement. La gestion de l'argent énorme que génère le football avec les prouesses de notre équipe nationale, etc. C'est tout. Vous savez, si il n'y avait pas, si c'était des bénévoles, il y aurait certainement portant de bagarre. Bon, on a embêté là parce que même l'État fonctionne sur cette affaire-là de façon clanique. Responsable de la FECAFOOT ou ceux qui s'y battent à son clan au niveau central de la gestion du pays. Ça fait donc qu'en fait, c'est tout le pays est en ébullition à cause de la FECAFOOT. Et je ne sais pas comment on va s'en sortir tant que, d'une manière brutale, l'État ne va pas régler ce problème. Bon, il est gêné en cela par le fait que la FIFA et la CAF existent, mais peut-être à quelque chose de bien. Malheur est bon. Et il y a quelques jours aussi, quelques mois de l'organisation d'autant plus, de la Coupe d'Afrique d'autant plus que, de football. D'un côté, on présente des positions sérieuses, infrastructurelles, pour organiser la CAN comme on l'a fait pour le CHAN. Et de l'autre côté, on présente une administration camerounaise pourrie jusqu'à la moelle, en bataille permanente, la mafia. C'est quand même une dichotomie qui n'arrange pas beaucoup. Et c'est le footballeur camerounais à la base hein, qui n'évolue plus. Qui on n'a rien à cirer du football camerounais à la base. Ce football qu'il a bien aimé. Non, on n'a rien à cirer. Au niveau supérieur, c'est qui va contrôler les milliards que le football génère par ses footballeurs. C'est ça le problème. Hein. Le reste, vous pensez qu'il se pose la question comment vivent aujourd'hui nos footballeurs professionnels? Ils s'en foutent, d'où la difficile professionnalisation du football, donc à travers les clubs. Abdoulaye Ado, vous êtes très proche, hein, comme vous l'avez indiqué, de la Fédération camerounaise de football. En toute simplicité, on voudrait comprendre davantage ce qui ne va pas. Pourquoi toujours ces batailles, au-delà des aspects financiers qui ont été évoqués par le président Anissé Kané, il y a de ce que, est-ce que les hommes en eux-mêmes ne sont pas le problème à la FECAFOOT? Finalement, on risque de dire ça. Et je crois parfois aussi qu'il y a une justice immanente. Les gens se sont ligués avec même parfois certains au sein du pouvoir et tout le monde avait clamé que le problème du football camerounais, c'est M. Iya Mohamed. Et on a procédé comme on a procédé. Il a été mis hors du football camerounais, mais lui, il est en prison. Depuis 2013 qu'il soit parti, si c'était lui le problème du football, on aurait réglé. Donc,
à travers la continuation des combats, ça prouve que ce n'était pas lui le problème. Et c'est pourquoi j'ai parlé de la justice immanente. Ceci dit, il s'agit d'un conflit entre des acteurs du foot et les gens qui avaient orchestré la mise à l'écart de M. Ia Mohamed avaient cru qu'ils allaient prendre la fédération. Malheureusement, cela n'est pas arrivé. Donc, c'est un combat des groupes. Les uns veulent contrôler, les autres n'ont pas pu. Et tant qu'ils ne peuvent pas, ils vont toujours contester. Parce que c'est des élections, parce qu'on a le droit de faire un recours. Si c'est annulé, on doit recommencer. On va donc s'en faire comme ça, jusqu'au jour où peut-être celui, le groupe qui aura perdu, va accepter que ça a été une élection valable. On parle aussi de changement hein, de nom. D'aucuns parlent de foot FECAM, quelque chose comme ça. Que sera le FECA Foot parce qu'il y a des dispositions qui sont autres qu'il faudra adopter. Et si les pouvoirs publics s'intéressent à la gestion de cette association, on va parler d'ingérence du gouvernement. Finalement, est-ce qu'on ne doit pas penser qu'il faut remettre ce football ou alors la gestion de ce football aux pratiquants, aux anciennes gloires du football camerounais, Joseph-Antoine Bell, ce n'est pas évident avec tout ce que l'on connaît tout autour. Ils sont dans les clans, plusieurs autres. Hein. Quelles sont les solutions à proposer? D'abord, ça ne peut pas être autre chose parce que ce qui existe au Cameroun, c'est la FECA Foot. Parce qu'il ne faut pas que les gens perdent de vue que le football, l'organisation de tous les sports, ça appartient à l'État. L'État délègue à des fédérations à qui il donne des agréments. C'est pourquoi vous verrez que tous les noms de ces associations-là, il y a Cameroun dedans. Donc il faut qu'on soit clair. Et le sous-préfet qui vous permet d'organiser une assemblée générale, vous le saisissez. Si vous le saisissez avec FEFOOTCAM ou quoi, lui, il ne connaît pas ça. Il ne va pas accepter, puisque ça n'existe pas. C'est la FECA Foot. Merci. Donc, ceci dit, maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que il faudrait finalement que les gens acceptent, que tout le monde se concentre pour l'élection, parce que c'est une élection qui est suivie par la FIFA et la CAF, qui en réalité sont les organisateurs. Et que maintenant, que les gens se regroupent en fonction de leur camp pour pouvoir gérer. Parce que même les footballeurs, là. Et surtout changer Cameroun, le processus, le mode électoral, peut-être ça qui fait problème. Les statuts sont déjà adoptés, le code électoral adopté. Sauf si les gens qui ne sont pas d'accord attaquent et que ça soit annulé. Pour l'instant, on va aller sur la base des statuts adoptés, je crois que ça doit être autour en juillet, avec le code électoral et les autres textes. Maintenant, il y aura des élections comme c'est par échelle, au niveau départemental, au niveau régional, pour générer des délégués qui viendront au niveau fédéral et choisir. Depuis, en dehors des dictatures, au football, la FIFA a convaincu les pays, les associations qu'on procède par élection. On ne fait pas d'élection au Maroc parce que c'est un royaume. Je suis avec vous par cette question. Que répondez-vous à ceux des Camerounais qui pensent que ce sont les délégués au niveau fédéral qui détruisent même le football par un phénomène de corruption? Parce que quand ils ont perçu de l'argent, ce n'est plus le travail qu'ils vont élire, mais ils vont élire quelqu'un qui a sûrement eu un manager. Est-ce qu'on peut mettre un tamis à ce niveau? Parce que ça, on sait. Bon, le problème qui se pose, c'est que nous tous ici, là, on n'est pas électeurs. C'est un collège électoral. Et ce collège-là. La corruption est interne à ce niveau. Et provient de ce que ces gens-là sont les représentants des clubs. C'est les présidents des clubs. Donc, on ne part pas prendre quelqu'un d'ailleurs. Il faut être président des clubs. À partir de ce moment, je ne peux pas dire que la corruption n'existe pas dans les milieux du Cameroun. Ça, vous le savez. Si je le dis, je ne suis pas sérieux. Si déjà, au niveau du gouvernement, le président de la République a parlé de corruption
a parlé de détournement des deniers publics. Ce n'est pas à un niveau moindre que cela ne peut pas être. Tout ce que je dis, c'est donc à tout le monde, qu'on soit footballeur, qu'on entre dans le processus électoral. Si on peut réussir à passer, c'est tant mieux. Mais sinon, attendre que quelqu'un soit nommé pour gérer le foot en dehors des pays du Golfe. Peut-être à ce niveau, Justin nous avons donné des bonnes réponses. Mais je suis pas là. En dehors des pays du Golfe, c'est là où on nomme. Et en Afrique, on nomme aussi au Maroc parce que c'est un royaume. Donc, dans des dictatures. Dans tous les autres pays, là, c'est des élections. Merci. Justin Noah, la question de la corruption, forcément, gangrène depuis plusieurs décennies la gestion du football au Cameroun. D'aucuns nous ont expliqué par le passé que M. Iya Mohamed s'y est maintenu pendant plusieurs années parce qu'il y avait déjà des circuits de corruption au niveau des différents électeurs. Chacun savait que lorsqu'il partait, par exemple, de l'extrême nord du Cameroun, pour participer au vote à la FECAFOOT, il a déjà un petit pactole qui l'attend d'office. Il a déjà le nom de qui va voter et que ça ne faisait pas problème pendant longtemps. C'était le même président qui était là. Et depuis quelque temps, le système a changé. La mafia, véritablement, s'est faite ressentir parce que ceux qui touchaient les intérêts de part et d'autre ont senti qu'il faut qu'ils partagent avec les autres. Ça commence à poser problème. Est-ce qu'à ce niveau, on ne peut pas faire intervenir les organisations du Cameroun telles la CONAC ou encore peut-être le contrôle supérieur de l'État pour voir comment l'argent est géré à ce niveau et que ceux qui sont supposés ou rattrapés par cette corruption-là soient sanctionnés comme tels? Monsieur Noah, je te prends 10 secondes. Les frais qu'on donne aux gens sont des frais statutaires de déplacement. On supporte votre transport, votre hébergement et votre indemnité. Ça, c'est rien par rapport à l'argent que vous donnez. Voilà. Bah, par exemple. Oui, mais avant d'y arriver, parce que c'est important de rétablir la vérité. Vous savez que vous-même, vous avez contribué à ce que j'appelle la manipulation de l'opinion. Lorsque vous avez dit que Suivi Cameroun a été initié par une voix présidente du Cameroun, je rétablis la vérité. L'opération Suivi Cameroun a été initiée, toute personnée, par le professeur Maurice Kamto. Maurice Kamto n'est pas le mouvement Princesse du Cameroun, qui est une personne morale, comme vous le savez si bien. Maintenant, quand je l'ai dit, je voudrais aussi dire à l'attention du public que selon nos statuts, les signataires, et ça c'est vérifiable, des comptes du MSC sont le trésorier ou le commissaire aux comptes. Vous pouvez aller vérifier nos comptes à Finance First Bank ou à l'SCB, vous verrez que le professeur Maurice Kamto n'a jamais signé le moindre compte du parti dans ce pays ou ailleurs. Il est ordonnateur selon nos statuts et il s'arrête là. Cela dit, lorsque vous me posez cette question, je voudrais d'abord que vous remarquiez que l'immense majorité des membres de la FECAFOOT sont des militants du RDPC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que partout où ils vont, ils y vont avec leurs habitudes qui sont déjà ancrées en eux. Ils sont habitués à deux choses, au sein même de leur propre parti. Et vous verrez le renouvellement des organes de base là. Ça se passe chaque jour. Parce que lors du renouvellement des organes de base, c'est comme un laboratoire, n'est-ce pas, des techniques de stratégie de fraude qui vont mettre en œuvre lors de l'élection nationale. Donc, lorsqu'ils vont. Ils ne vous coupent pas. Lorsqu'ils vont. Mais ils savent que c'est la vérité. Lorsque vous allez maintenant au niveau de la FECAFOOT, ils ont deux choses. Il y a les techniques de fraude qui commencent par la corruption, n'est-ce pas, des membres du collège électoral. On donne l'argent, on fait ceci. Et il y a aussi une chose qu'ils ont souvent fait. C'est la même chose qu'ils font sur le plan international, c'est que on rédige le collège électoral à la taille d'un individu. Et ça met mal à l'aise les autres. C'est la même chose qui se passe sur le plan national. Puisque le code électoral qui est là a été taillé à la mesure du dictateur M. Paul Biya. Donc, lorsqu'ils arrivent à la FECAFOOT, ils reproduisent tout ce qu'ils font dans leur propre parti politique. Et ça a un réel impact, n'est-ce pas, dans notre pays. Parce qu'il ne faut pas oublier que le sport a un élément fédérateur sur le plan social. Et surtout le football. Et cette question devient tellement récurrente et l'autre chose, c'est que vous voyez que depuis que ça se passe, le gouvernement ne fait absolument rien. Parce que ce sont les petits copains, ce sont les amis.
Ils sont en train de manger. Ils sont en train de manger, tout simplement. Ils ne se gênent pas. Mais ceux qui souffrent, c'est le public, c'est nous, parce que nous aimons le football. C'est les joueurs, parce qu'ils n'arrivent pas, à en vivre, malgré qu'ils donnent tout. Et je pense qu'il faut que le gouvernement, si tant qu'il est sérieux, et qu'il pense à l'intérêt général, c'est-à-dire l'intérêt des Camerounais, doit à un moment donné dire stop et mettre les points sur les i. Même s'il faut qu'on soit suspendu, vaut mieux être suspendu et qu'on prenne le temps, franchement, de remettre la FECAFOOT, c'était après ça FECAFOOT, en ordre vraiment, de telle manière qu'on puisse avoir une organisation quand même qui a une certaine éthique. Les gens ne pensent qu'à bouffer, à voler. Il s'agit, le président Egan l'a dit, c'est de l'argent, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Vous pensez que c'est la manne financière qui est envoyée par la Fédération internationale de football association pour la gestion de football dans les pays, passant par la FECAFOOT et qui doit remettre la Ligue? Est-ce que c'est ça qui a entraîné à terme la dissolution, la mise à l'écart de la Ligue de football professionnel? Quel que soit le bout par lequel vous prenez, il a dit, c'est l'argent, rien d'autre. Et moi j'ai dit, on se plaint du rôle des organisations internationales. Même en matière de football, de sport, on se plaint du rôle des organisations internationales. Parce que la FIFA, finalement, quel est le rôle de la FIFA dans tout ça? Parce que la FIFA est un acteur qui complique encore le jeu. Parce que la FIFA fait partie du jeu. Il y a la mafia. C'est une grosse mafia. Et pourquoi on arrête les mafias? Ce sont toujours les Camerounais qui font appel à ces organisations internationales, qu'on a l'impression que ça va mal, c'est pas la FIFA. Mais la FIFA même, c'est une grosse mafia, vous le saviez. Les États-Unis ont mis en place. Quand il écrit aux tasses, c'est toujours un Camerounais. Quand la FECAFOOT, le président Mondoya parle du milliard de francs, qui met en place les comités de normalisation? Qui valide le code électoral qu'on sait qui n'est pas bon? Ce n'est pas la FIFA. C'est un assemblage de personnalités qui s'entretient. On a vu comment les États-Unis ont pu mettre à nu la grosse mafia de la FIFA. La FIFA n'est pas un exemple sur le plan éthique. Merci Justin Roger Noah du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. J'en appelle à votre indulgence, parce que dans quelques secondes, Simon Metsengue prendra aussi la parole pour bien expliquer ce qu'il pense et ce qu'il sait sur la gestion du football camerounais. Même si vous vous sentez touché, permettez qu'il aille jusqu'au bout, parce que tout à l'heure, on n'a pas pu achever comme cela se devait la thématique qui avait trait à la gestion du survie Cameroun. Simon Metsengue, le football camerounais va mal, tout le monde le sait. Le chef de l'État a indiqué à tous qu'il faudrait que tout soit bien et bien fait de ce côté-là. L'engagement du gouvernement camerounais à travers la mise sur pied des infrastructures modernes, ultra-modernes même, je dirais, du football au Cameroun en vue d'accueillir la Coupe d'Afrique des Nations de football 2022 qui débute en janvier prochain. Les pouvoirs publics au Cameroun sont engagés, mais sauf que dans la cuisine interne du football camerounais, ça va toujours mal, avec des sanctions, avec des batailles internes et avec des lendemains qui ne sont toujours pas enchanteurs, alors qu'on est au stade où on devrait en principe s'accorder pour qu'il y ait une belle fête, un beau rendez-vous du football dans notre pays, Simon Metsengue. Oui, je voudrais juste prendre l'opinion à témoin que nous avons deux modérateurs sur ce plateau et que, évidemment, le RDP s'est muselé, mais nous, au RDP, nous sommes républicains, nous sommes respectueux des règles. C'est pour cela que lorsque vous me demandez de rester tranquille, je le fais. C'est pas parce que je n'ai rien à dire, mais parce que je juge que le respect pour nos téléspectateurs doit être rétabli. Et pour dire que la gesticulation n'est pas synonyme de vitalité, c'est juste, ça émane même parfois de l'inquiétude que la personne dégage vis-à-vis d'un sujet. Et pour dire que, ça c'est pour fermer la parenthèse, pour dire clairement que l'opinion sait ce qui s'est passé à Survie, qui est une arnaque et qui ne mérite même pas d'être parlé sur un plateau sérieux. Évidemment. Mais maintenant, nous parlons du sport. Moi, je voudrais dire que, avant d'arriver à ce couac, il faut rappeler à la mémoire des Camerounais que c'est l'homme du 6 novembre qui a hissé le Cameroun au sommet même du football africain. Nous avons entre 82 et aujourd'hui, nous avons 5 Coupes d'Afrique, alors qu'avant 82, nous n'avons rien. Nous avons une médaille d'or olympique, non, deux. Une pour le football, une pour l'athlétisme. Nous avons été vice-champions du monde des Coupes des Confédérations, car finalistes, on peut en compter plusieurs. Donc, le football connaît. On a eu 3 médailles d'or depuis 82.
Donc deux avec Mbango et le football, l'équipe et le... Avec Jean-Paul Akono, à Sydney. Merci beaucoup. C'est dire que le football, qui est quand même le sport fanion, aujourd'hui connaît des problèmes, et le président de la République, son excellent Olivier l'a déjà rappelé, en appelant les acteurs à se ressaisir. On voit très bien que c'est du Cameroun qui va naître cette harmonie, parce que les instances internationales, c'est pas trop, même s'ils sont impliqués, mais ils sont pas plus demandeurs que nous qui sommes à l'intérieur de notre pays. Il y a des infrastructures qui sont déjà, je crois que le Cameroun doit être 10e ou 7e aujourd'hui. Vous savez très bien qu'il y a même des pays qui viendront jouer, les éliminatoires, ainsi de suite. Au niveau du gouvernement, beaucoup de choses ont été faites d'abord. La majorité des choses ont été faites. Maintenant, c'est au niveau des hommes. Et je crois qu'il serait mieux qu'avant même le début de cette prestigieuse Coupe d'Afrique que nous allons accueillir du 9 janvier au 4 février prochain, qu'il y ait que ce cirque, j'appelle ça un cirque, que ça s'arrête, parce que c'est quelque chose qui édulcore tous les mérites que le Cameroun a jusqu'aujourd'hui. C'est un problème de personne. Je crois que aujourd'hui, il n'est pas question, de mettre comme on a dit élection, que les gens se disent qu'au-delà de leurs enjeux purement personnels, il y a l'enjeu national. Il y a l'enjeu national et il faut que les uns et les autres, je ne vais pas dire que tel a tort, tel a raison, ainsi de suite, c'est un problème d'homme. Il y a un moment où on doit se ressaisir et penser d'abord à la nation avant de penser à soi-même. Il y a des égaux surdimensionnés. Également, il faut ajouter, Simon, qu'il y a beaucoup d'hommes politiques en football, notamment à la FECAFOOT. Mmh. On les connaît très bien, les vice-présidents et ceux qui sont aussi à la manœuvre et qui ne sont pas des personnes faciles. Est-ce que ce ne sont pas ces présences-là qui, chaque fois, enveniment un peu le fonctionnement? Et lorsqu'on fait un comparatif entre les footballeurs même qui s'intéressent au football, ceux-là même qui sont des sommités sur le plan international, et des hommes politiques, est-ce qu'il y a véritablement harmonie entre ces personnalités pour que le football sorte de ses difficultés au Cameroun? Je crois que c'est un problème d'intérêt. C'est que parfois, au niveau de cette entité-là, les intérêts égoïstes prennent le pas sur l'intérêt national. Et c'est ce qu'il faut aujourd'hui. Et c'est ce que le président, d'ailleurs, a décrié en leur demandant poliment de se ressaisir. Parce qu'en réalité, le président, c'est quelqu'un qui parle peu pour dire beaucoup. Il dit qu'il faut se ressaisir parce que là, vous en faites un peu trop. C'est-à-dire que nous avons fait ce que nous avions à faire. Nous avons dépensé pratiquement 1 000 milliards de francs pour hisser le Cameroun sur le plan infrastructurel au 7e ou au 8e rang du football africain. Maintenant, au niveau de la simple organisation, et ça commence à faire comme ça fait là. Évidemment, il faut qu'on se ressaisisse. Moi, je crois que c'est le message qui est adressé à ces personnes et que toutes les forces vivent du Cameroun, parce que le football, c'est une religion, je crois que c'est même la première religion au Cameroun, toutes les forces vives doivent mettre du leur pour que cette mauvaise passe finisse. Je vous renvoie la question d'Abdoulaye Ado tout à l'heure. On voudrait comprendre davantage au niveau de la gestion du football, c'est-à-dire le collège des électeurs, les représentants des différents clubs, parce que c'est là où le nœud gordien s'impose et blesse. Parce que ces personnes-là, la corruption est susceptible, parce qu'ils vont élire. Et d'aucuns ne vont pas faire des choix qui aideront le Cameroun à sortir demain des problèmes du football. C'est-à-dire que si vous avez confié, il y avait peut-être deux ou trois candidats qui sont engagés, on sait bel et bien que parmi les candidats, on sait celui qui est d'une bonne moralité, qui peut bien faire des choses, qui n'est pas assez corruptible, entre guillemets. Mais on va plutôt voter celui peut-être qui est motivé par une faction assez forte et qui a les moyens financiers et la logistique nécessaire, entre autres. Comment gérer à ce niveau, Simon Metsengue? Moi, je ne peux pas lire sur une boule de cristal ou bien gérer ses compatriotes, ou du moins juger ses compatriotes sans avoir des preuves de cela. Mais ce que je voudrais dire, c'est que me fondant un peu sur notre expérience au RDPC, parce que nous couvrons aujourd'hui les renouvellements des organes de base. Et justement, ces types de problèmes se sont souvent posés. Mais il arrive souvent que c'est celui-là qui est le plus populaire, qui est voté, même si les uns et les autres ont reçu ce qu'ils ont reçu. Et donc, il faut dire une chose, parce que c'est pour cela que je parle de la primeur du bien-être du football au détriment même des intérêts égoïstes. C'est-à-dire que ces délégués, et c'est un appel, c'est une exhortation que j'envoie à leur envoi, qu'il faut qu'ils mettent
au devant de leur priorité la primeur de notre football, parce que c'est ça qui nous réunit, c'est ça qui nous fait rayonner au sommet du football africain. Avant de prendre la parole pour quelques secondes de chacun, parce que l'émission va bientôt arriver à son thème, je voulais commencer par vous, président Anissé Kanné. Le fait qu'on est cadre de la Ligue de football professionnel, le fait qu'on refasse confiance à la FECAFOOT, est-ce que le chef de l'État s'est trompé en créant, je pense en 2010, la LFPC pour alléger un peu la tâche dans l'organisation du championnat Elite 1 et Elite 2 à la FECAFOOT? Moi, je crois que le chef de l'État travaille avec des collaborateurs et avec ceux qui s'occupent en matière de football. Un contexte nébuleux, un contexte mafieux ne peut conduire qu'à des erreurs. Vous voyez, ce n'est pas le fait d'avoir créé la Ligue professionnelle de football qui pose problème. On devait y arriver pour avancer. Le problème, c'est que elle se crée dans un contexte mafieux, dans un contexte où la situation n'est pas encore clarifiée. Et forcément, vous ne pouvez pas vous attendre à des résultats différents de tout ce qui s'est passé dans le contexte-là. C'est ça le problème. Vous savez, malgré toute la bonne volonté, le responsable de l'UNDP fait des vœux pieux. Vous savez, nous, on peut faire des vœux pieux que le Cameroun devienne demain un pays tout à fait démocratique. Avec une justice complètement indépendante, on peut chanter ça toute la journée, mais le contexte actuel... Mais les hommes doivent changer les mentalités. C'est le contexte, c'est pas... Oui, à vrai dire, c'est la FIFA qui a incité qu'on crée le football professionnel dans tous les pays qui sont affiliés à elle, pour que les fédérations s'occupent du développement du football à la base, dont le foot amateur, le football jeune et le football féminin. N'étant donc pas prêt, le gouvernement de la République a décidé d'appuyer pour 2 ans la Ligue pour qu'elle décolle. Mais jusqu'aujourd'hui, le gouvernement continue d'appuyer la Ligue là en donnant des subventions pour les clubs et pour le fonctionnement de la Ligue. Et la Ligue elle-même, c'est une émanation de la FECAFOOT. Toutes les compétitions appartiennent à la FECAFOOT dans un pays, à la fédération du pays. Mais elle délègue le football professionnel à des instances. Et elle peut donc retirer. Maintenant, pour ceux qui disent qu'il faudrait dissoudre la fédération après la CAN et revenir organiser, quand vous terminez de dissoudre, vous faites 2 ans. Le jour que vous revenez vous affilier à la FIFA, vous remettez l'équipe qui était en place, dont le mandat n'est pas terminé. Ils terminent d'abord leur mandat avant d'organiser. Et puis quand on voit tout ce qu'il y a, si on dissout la fédération, on ne peut plus transférer les joueurs camerounais qui jouent dans le championnat, on ne peut plus rencontrer une autre équipe, on ne peut pas participer à une compétition des 111 pays affiliés à la FIFA. Merci. Donc c'est à nous de choisir. Mais pour le bien du football, Roger Justin Noir, est-ce qu'on ne peut pas faire ce que Abdoulaye Ado vient d'indiquer, pour que les Camerounais retrouvent cette vitalité? Non, mais c'est simple. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle la discipline du parti. Donc, il faut réunir ces gens-là, parce qu'ils sont essentiellement des militants de DPC, comme ils font souvent. Oui, j'ai dit essentiellement, pas dit tous. D'accord. Comme ils font souvent lorsqu'il y a les sessions de l'Assemblée nationale, on les réunit d'abord. Dans leur QG, on leur donne des instructions. Donc il faut réunir ces militants du RDPC et leur donner des instructions, leur dire ce n'est pas l'intérêt personnel que vous recherchez, c'est l'intérêt général. Faites au moins semblant de chercher l'intérêt général. Et à partir du moment là, je pense que... Et on leur dit, si vous ne faites pas, il y aura des sanctions. Bon, j'oublie quand même que ce régime ne sanctionne jamais, parce que sinon on ne serait pas où nous sommes là. Merci Roger et Justin Noir, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir regardés ce dimanche une fois de plus. On va dire merci à Roger Justin Noir, qui est secrétaire général adjoint du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Et également dire merci. Et une pensée pour nos camarades qui sont otages du régime. Abdoulaye Ado, merci. Vous êtes secrétaire national à la communication de l'ANDP et très proche
des milieux du football camerounais. Merci d'avoir été là ce dimanche. C'est dangereux. Je terminerai par vous, mais je poursuis avec Simon Metsengue. Il est militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est un cadre bien connu de cette formation politique. En tout cas, on vous souhaite très bonne continuation dans le renouvellement des organes et surtout qu'il n'y ait pas ce que les autres imaginent souvent en venant de vous. Hein. Donc, ils s'imaginent seulement. Bonne suite. Hein. Ils s'imaginent seulement, mais il faut qu'il aille au fond pour voir que le RDPC, c'est le plus grand parti démocratique du Cameroun. Eh bien, c'est bien. Je voudrais également saluer pour sortir son déplacement. Il est parti de Douala pour nous retrouver ici à Yaoundé pour échanger avec nous ce dimanche. Anissé Ganet, président national du Malidem. Merci infiniment d'avoir été là. Merci. Et très bon retour à Douala. Et bonne suite dans vos activités. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette émission ce dimanche. La rediffusion, c'est ce soir à 21h sur cette antenne. Merci infiniment à toutes et à tous et à toutes les équipes techniques qui se déploient au quotidien sous la coordination, bien sûr, de tous ces jeunes-là hein, qui se battent avec une moyenne d'âge de 15 ans par là. Bonsoir et bonne suite des programmes sur CAMDIS TV. À dimanche prochain. Au revoir et bonne semaine.